électorale. C'est la même liste qu'elle a. Et donc, Koulibaly vous dit, si vous avez des soupçons, qu'il y a des morts où il y a 2 millions de personnes ou d'étrangers ou de vieux qui votent, venez lorsqu'on va publier la liste provisoire. Vous ne venez pas, vous restez dans les agora et menacez les gens. Pourquoi vous ne venez pas? On va faire cette sensibilisation. On continue, Koulibaly. C'est très important. On continue, on continue. Et les partis politiques l'ont. Ils l'ont. Elle n'a été améliorée que de 7%. 531 électeurs maximum. Mm-hmm. Alors, on ne va pas me dire de donner un mois. Et puis, si les uns et les autres étaient intéressés, on l'aurait déterminé par l'engouement au niveau de l'enrôlement. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier ça. Mais commençons déjà. Mm-hmm. Commençons déjà, nous avons un mois. Commençons déjà et on verra. Mm-hmm. Et saisissez la commission électorale indépendante et puis on verra. Oui. Le délai de 10 jours, il est prévu par la loi? Oui. Ou c'est la commission électorale indépendante avec ses membres qui décide de la durée? Il est prévu par le décret fixant les modalités de la révision de la liste électorale. Il est de 10 jours à compter de l'affichage. Quand on affiche la liste, vous avez 10 jours pour l'examiner, pour y déceler les différentes irrégularités. Après quoi, vous faites vos observations, lesquelles observations sont publiées dans un délai de 10 jours pour permettre également aux personnes qui sont intéressées de faire des observations contraires. Et puis la commission électorale a une semaine, 7 jours, pour trancher. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait des décisions de la commission électorale indépendante, vous avez 3 jours pour saisir le tribunal. Et le tribunal a 5 jours. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait presque un mois, plus d'un mois. Donc, on ne peut pas dire que le contentieux, c'est 10 jours. Ce sont les observations qui doivent être faites, qui sont 10 jours. Et nous pouvons dire que les partis politiques disposent de la liste électorale depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. La liste électorale provisoire leur a été remise 10 jours avant l'affichage. Mmh. Alors que généralement, on découvre la liste électorale le jour de l'affichage. Mais nous leur avons donné cette liste-là 10 jours. 10 jours avant qu'on affiche la liste, on leur donne. Maintenant, après, on affiche la liste électorale et on demande au roi Justin de venir montrer les millions de personnes, les mamans qui ne votent pas là, de venir contester, d'apporter la preuve. Il n'apporte aucune preuve. On continue. Et je dis bien, mm-hmm. la différence entre la liste électorale provisoire et l'ancienne liste, c'est 531 électeurs de plus. 531 électeurs de plus. Ils ont eu le temps de l'exploiter, mm-hmm. d'y déceler toutes les irrégularités. Voilà. Très bien. Monsieur, avant d'aller un peu plus loin, vous parlez d'irrégularité. Beaucoup semblent avoir été décelés par des partis politiques de l'opposition. Déjà, sur le délai, réaction, docteur Bangali? Moi, je pense que le délai est assez... Ok, c'est pas même. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Avant de publier la liste électorale, le président de la CEI prend la peine de donner une copie à tous les partis politiques. Et après, on affiche la liste électorale. Et maintenant, on appelle des gens, des Ivoiriens, à aller regarder sur la liste électorale. Les mamans qui ont 100 ans, les papas qui ont 200 ans, les tontons qui ont 300 ans, on leur demande de venir montrer leur identité. Tous les étrangers qui sont sur la liste électorale, on les appelle à venir montrer ces gens-là. Ils ne viennent pas. Et donc, ils passent leur campagne de dénigrement et de la désinformation, faire croire que cette CEI-là ne peut pas organiser les élections, et on trouve des arguments. Et toi, le bâtard de Guillaume Soro, toi, c'est toi qui nous as donné cette liste-là, en 2010. Et toi, le même chien-là, c'est toi qui dis que la CEI-là va venir brûler la Côte d'Ivoire. Bref, on continue. Donc, quand ils ont cette liste, ils ne viennent jamais au contentieux pour dire, voici la liste des millions de personnes étrangères qui sont sur la liste, il faut les enlever. Ils ne viennent pas faire ça. Ils ne viennent jamais. Et leurs représentants sont au sein de la CEI. Donc, ils trouvent des prétextes pour discréditer cette CEI. Mais ils le font à dessein parce que Laurent Gbagbo ne peut gagner aucune élection en Côte d'Ivoire. Aucune face au RHDP. Donc, voilà leur sensibilisation. Et ils ne vont pas aller. Ce qu'ils ont fait, voici des gens. Ils ont passé près de 10 ans à boycotter toutes les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a une année, ils ont appelé les militants à ne pas aller s'enrôler. Et lorsque la CEI a envoyé des machines d'enrôlement dans des centres d'enrôlement à la mairie de Yopougon, voilà ce qu'ils ont fait. Les voilà. Les voilà, voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Thank you.
Vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est déplorable. Et ça, les machines, ils sont en train de détruire comme ça. Les machines coupent la pièce. Mairie de Yopougon. On est venu faire un roulement. Et voilà ce qui se passe. Ils sont venus faire un roulement. On est venu faire un roulement pour avoir les pièces. Et voilà ce qui se passe. Avant l'arrivée de Gbagbo. Vous voyez, non? Ça a été fait avant l'arrivée de Gbagbo. La mairie technique de Yopougon, ça va. La mairie technique de Yopougon, ça va. Ce qui se passe. Vraiment, c'est déplorable. Ok, voilà ce qu'ils ont fait en 2020 et dans les années précédentes avant l'arrivée de Gbagbo. Voilà ce qu'ils ont fait. Hein. Ceux qui se plaignent aujourd'hui de la liste électorale, ils ont passé leur temps à boycotter toutes les élections. Mieux, ils ont commencé à casser les machines d'enrôlement pour dire que eux ils veulent rien entendre, ils ne veulent pas entendre raison. Alors, c'est ceux-là qui vont venir nous parler de la liste électorale, la crédibilité de la liste électorale, là où nous, on sensibilisait nos militants à aller s'enrôler sur la liste électorale, eux, ils ont passé leur temps à dire à leurs militants de ne pas aller s'enrôler sur la liste électorale. On va clore ici rapidement et je vais vous donner le micro. Quoi Justin dit à ces gars de s'apprêter, encore, que c'est la fin du régime Alassane Ouattara qui est arrivé. Donc ceux qui étaient en train de dormir n'ont qu'à arrêter de dormir. Ceux qui étaient en train de debout et ils n'ont qu'à arrêter tout. Et donc eux là, leur dernier combat, c'est d'inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Je vous laisse écouter quoi Justin et je laisse mon dernier message. Je laisse le micro. On l'écoute. Nous travaillons à construire les leviers de la démocratie en Côte d'Ivoire. Allez, Gbagbo Laurent Gbagbo. Mais vous l'impression, ce sont des combats que nous allons mener ensemble. Le premier combat, c'est la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, oui. Tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser. Oui. Il y a pas de Michel Gbagbo, ou Laurent Picasse, ou Gaïn Nestor, je vous dis, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, tu connais déjà l'heure. Voilà. Ok, il dit, il n'a pas besoin qu'on leur dit qu'aujourd'hui, ça commence. Donc, tu connais déjà l'heure. Lui, il a déjà lancé le mot d'ordre. Écoutez bien. Personne ne dit personne. Tous les combats que nous allons mener ensemble. Le premier combat, la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale. Ça, personne ne dit personne. Tout le monde va se mobiliser. Oui, mais après, je ne sais pas que je n'ai pas oublié, ou bien Michel Gbagbo, ou Dora Picasse, ou Gaïn Nestor, je vous dis, non, comment ? C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, tu connais déjà l'heure. C'est le temps, on va te montrer. Quand vous marchez là, quand vous marchez là, quand vous êtes en train de manger, quand vous êtes en train de dormir, quand vous êtes en train d'étudier, quand vous êtes en train de travailler, il faut que ça soit dans votre tête. Il y a un combat qui m'attend. Ils vont nous arrêter, non? On a habitué à ça. C'est le gars, ils vont arrêter notre camarade Bosso, Rodel. Ils l'ont arrêté, hein, Gaoussou, Yahiri. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que si vous êtes en fait 6 mois sans arrêter quelqu'un, c'est le malin. Si tu as fait 6 mois sans arrêter quelqu'un, il est malade. Il a arrêté Bosso. Il a arrêté Yahiri. Le régime de Ouattara là est despotique. Ça veut dire que c'est des dictateurs. Ça veut dire eux là, ils ont toujours l'épée, épée, épée. Ils ont toujours l'épée levée, prêt à couper les têtes.
pour qu'on ne coupe pas la tête, il faut le faire allégeance. Mais ceux qui font allégeance au régime Ouattara, ils perdent la dignité. Parce que c'est un régime qui va bientôt disparaître. Ceux qui font allégeance à Ouattara, mais ils perdent leur honneur. Mais ça, je n'en même pas. Parce que Ouattara, il est en chaîne des règnes. Merci beaucoup. Ok, c'est ça que je voulais écouter maintenant. Et je vais donner la parole maintenant à tout le monde. Voilà. Je vais vous donner la parole maintenant. Attendez, hein. Je vais vous donner la parole tout de suite. Alors, qu'est-ce qui est touché même? Voilà, Dieu merci. Je suis tellement embrouillé que je suis allé toucher quelque chose. Voilà, je vais vous donner la parole tout de suite. Alors, que tu sois à Bobo, à Djamé, Pobwe, Yopougon Ouassakara, Sikoji, Selmé, Nyangon, partout sur l'étendue du territoire, que tu sois à Abidjan, quand tu dors, quand tu te réveilles, on a un combat à mener. On a un combat à mener. Ce dernier combat, c'est le match retour dont le PPAC nous invite à jouer. Quand tu te réveilles, dis-toi qu'à tout moment, Laurent Gbagbo va pas le dire, mais va passer par ces chiens-là pour les mettre dans la rue. Dis-toi que Laurent Gbagbo, le lâche, n'aura pas le courage de s'assumer. Puisque le secrétaire général du PPACI, M. Gervais Tiédé, dit qu'ils allaient faire des tournées de mobilisation et qu'ils allaient galvaniser les militants, alors il vient de faire passer le message. Par quoi, Justin, qui a été clair et il vous a déjà dit, si vous êtes en train de dormir, arrêtez de dormir. Tout ce dont qui ont l'air règlement de compte à Gbagbo, il est temps pour vous, militants RHDP, de l'accompagner à sa retraite politique. Il est temps d'accompagner Laurent Gbagbo à sa retraite politique. Pour qu'eux viennent inscrire le nom de Laurent Gbagbo qui est le dernier combat là, il faut qu'il passe sur nos corps. Si Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste électorale, ça veut dire que les femmes d'Abobo sont mortes gratuitement. Si Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste électorale, ça veut dire que notre argent qu'ils ont volé et ils ont partagé entre eux, ça a été gratuit. Si Laurent Gbagbo est inscrit sur la liste électorale et que nous ne disons rien et que nous ne faisons rien, c'est que les Ivoiriens sont morts cadeau parce qu'il est responsable de la mort des 3000 Ivoiriens. Donc, chers militants, RHDP, où que tu sois, apprête-toi, apprête ton léquin, ton dernier t-shirt, apprête tes siervettes. À tout moment, que tu sois au marché, que tu sois dans un bacan, dès que le PPACI descend dans les rues, laisse toutes tes préoccupations, va rejoindre le mouvement. Et Pobwe 2 serait premier à commencer la résistance et nous viendrons en soutien. Nous allons les faire rentrer. Personne ne sera arrêté. Quoi, Justin, sois tranquille. On ne va pas arrêter quelqu'un. On ne coupera pas de tête. Non. Mais on va régler ça entre militants. On va régler ça entre garçons. Nous allons désobéir à Alassane Ouattara cette fois-ci. Et je dis au propriétaire de Bakaver, il faut que le Bakaver soit disponible. Je dis au propriétaire de Bakaver, ne dors pas. Sois éveillé. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. Le jour, ces bâtards, ces voyous, ces délinquants descendent dans les rues pour créer un rapport de force pour inscrire Laurent Gbagbo sur la liste électorale, il faut que le Bakaver soit en mouvement. Il faut que le Bakaver soit en action. C'est moi, je le dis et j'assume. Enregistrez cette vidéo. Non. On ne reculera plus. Et nous disons, et je répète, et je termine dessus, Laurent Gbagbo ne serait pas inscrit sur la liste électorale. Quoi, Justin? Damana Adia Picasse, Monsieur Kone Katina, Monsieur Laurent Gbagbo, Monsieur Gervais Tiédé, j'ai dit et je répète, Gbagbo Laurent ne serait pas inscrit sur la liste électorale. S'il fait acte de candidature, sa candidature serait rejetée par le Conseil constitutionnel. D'ailleurs même, s'il va faire acte de candidature, je vous pose une question, et que son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, admettons que le Conseil constitutionnel valide sa candidature. Est-ce qu'il y a un bulletin de vote qui a été fabriqué au nom de Gbagbo par la CEI? Parce que c'est le Conseil constitutionnel qui valide les candidatures. Je suis d'accord. Mais quand ton nom n'est pas inscrit sur une liste électorale, est-ce que toi tu peux compéter? Qui va aller mettre un bulletin de vote dans les urnes pour toi? Voilà, c'est ça la question. Non, le premier combat, c'est de l'inscrire d'abord sur la liste électorale. Deuxième, c'est d'aller poser ou d'aller faire acte de candidature pour que chose vienne valider cette candidature. Je vous dis, je vous répète,
Babo Laurent ne reviendra plus jamais au pouvoir. Et pour vous dire, je vais vous laisser un dernier message de M. Cissé Bakongo ici, et que vous écoutez bien. Écoutez bien ce que le ministre Cissé Bakongo va vous dire à propos de vos babos. Parce qu'en 2000, la candidature d'Alassane Ouattara a été invalidée ici. Nous, on n'a rien dit, on est resté chez nous. Vous nous avez assassinés, vous avez fait tout de nous, on n'a rien dit. Mais cette fois-ci-là, vous allez passer sur notre corps. Jamais de la vie, votre criminel, votre assassin, votre braqueur, votre voleur de babo, son nom serait inscrit sur la liste électorale. C'est moi qui dis ça. Et j'assume mes propos. Voilà. Vous pouvez lancer les mots d'ordre. Nous tous allons lancer mots d'ordre maintenant. Et on va voir qui va venir nous départager. Vous nous avez chassé ici. Moi, c'est voyou là. Oh, si c'est Bakongo, viens leur donner le dernier message. Viens leur donner le dernier message, vite, vite. Voilà. Il faut qu'ils écoutent le dernier message, là. Parce que c'est Bakongo doit donner le dernier message. T'es où, mon vieux père? Mon vieux père, Bakongo, viens. Viens t'as donner le dernier message, c'est très important. Viens. Si c'est Bakongo, t'es où? Viens leur donner le dernier message. Je sais même pas où j'étais mis, mais. Attendez, un cher panéliste, si c'est Bakongo, va nous donner le dernier message. Attendez, il était quelque part là. Il va donner le dernier message. Attendez, je l'ai mis quelque part, il est là. Il est ici. Voilà, je pense qu'il est là. Quelqu'un est là sur le micro. Ouais, Tomba, tu peux prendre la parole. Voilà, le PPA, c'est là. Jamais moi, il a laissé cela. Non. Vous êtes en train de vous amuser. Vous êtes en train de mobiliser les troupes. Moi, c'est vous comme ça. Bonsoir. Faut te calmer. Ton royaume est trop chaud ce soir. Non, Thomas. Faut pas prendre l'amusement. Hein. En 2020, ils ont fait 87 fois. Moi, je prends tout l'amusement. Et il reste rien passé. Ce n'est pas le monopole de la violence. Alors, si ce parti-là n'a jamais gagné des élections, c'est à cause de leur façon de parler aux gens. Voilà. Et ce discours, ce type de discours est des babos qui a formé les militants de ce parti, de son parti, à parler de cette façon. Tout est menace. Voilà, tout est menace. Mais le président l'a dit et répété, aucun désordre ne sera toléré. Donc faisons confiance au président de la République. Et comme je l'ai dit la fois passée, ils ont peur, donc ils envoient des têtes brûlées. Voilà, c'est comme eux qui vont sortir les gens. Non, c'est comme ce voyou pour faire sortir leurs militants dans les rues. Vous voyez que c'est ni Kone Katina, ni comment il s'appelle. Bon, je ne les connais pas, en tout cas ceux qui sont autour du voyou, c'est pas lui. Voilà, donc ce sont des voyous comme celui-là qu'on envoie, des têtes brûlées qui n'ont rien à perdre, qu'on envoie pour aller ameuter la troupe. Voilà, mais la loi sera appliquée à eux. Voilà. La loi sera appliquée. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. S'il y a des solutions. Quoi Justin ira en prison? Donc moi, je ne sais pas. Franchement, ceux-là, ils n'y feraient plus personne. En tout cas, moi, ils ne me feraient plus. Voilà. Ils vont créer, je dis toujours, Babo, c'est un lion identique. Voilà. Et puis, entre nous, quand on est des hommes, on sait utiliser le langage en fonction il y a un type de langage qu'il faut utiliser quand on est en position de faiblesse. Voilà, ils continuent de hurler comme si on était en 2006 ou bien en 2007. Souvent, je me dis que Babo même croit qu'il est encore présent et qu'il doit signer des décrets. Parce qu'il ne cessait de répéter que c'est lui qui a la signature. Ouais, coupez le micro, monsieur Bakeli. Voilà. Donc, la menace de ce voyou
Alors, on attend qu'il passe aux actes. La loi va s'appliquer. La loi va s'appliquer. On n'est pas dans une jungle. On n'est pas dans une jungle. Et la loi va s'appliquer à quoi, Justin? Comme elle s'est appliquée à bien d'autres avant lui. Voilà. Donc, quand vous, votre champion est condamné et vous voulez que la condamnation soit levée, c'est le président de la République qui doit signer la levée de cette condamnation. Et puis vous menacez. C'est-à-dire que c'est celui qui demande là, d'habitude, la main en bas, mais eux, ils demandent, mais c'est eux qui ont la main en haut. Parce qu'ils seraient au-dessus des lois, non. Ni quoi Justin, ni Gbagbo Laurent, et toute la racaille du PPACI, personne n'est au-dessus de la loi. Voilà. Celui qui va faire une infraction sera arrêté, il sera mis en prison. Le ciel ne va pas nous tomber dessus. Voilà. Donc, ils se font peur, ils excitent leurs militants pour les envoyer à la rue, dans la rue. Mais le nom, Gbagbo ne sera pas candidat, c'est clair. J'ai entendu sur le panel aujourd'hui. Ils vont les militants. Je les ai entendus aujourd'hui sur le panel. S'ils veulent mourir, ils peuvent se suicider. Est-ce que quelqu'un les empêche de se suicider? Ils ne seront pas les premiers à mourir pour Gbagbo. Gbagbo avait rassemblé toute sa famille, ses parents, ses grands-parents dans le bunker. C'était le coin le plus sécurisé. Pendant qu'eux mouraient dehors, quand il est venu de prison, il n'a même pas eu un mot pour eux. Ça, c'est leur problème. On peut pas empêcher quelqu'un qui veut se donner la mort. Voilà. Gbagbo était enfermé avec femme et enfant dans le bunker, avec petits-enfants. Pendant qu'eux, ils partaient résister. Voilà. Après, c'était le seigneur des armées. Souvent, pendant le moment, les temps forts du Kwakwatoyan, il y a une vidéo que tu passais où ils priaient là. Où Gbagbo, oui. Ils avaient des drapeaux, oui. Est-ce que cette vidéo-là, il faut la mettre sur TikTok? Il est déjà mis. Voilà. Ah bon, d'accord. Je vais fouiller et puis rien. Voilà, donc, ils ne seront pas les premiers à mourir pour Gbagbo. Voilà, bien d'autres sont morts avant eux. Il a envoyé d'autres affronter l'armée française. Et au même nuit, il y a eu 64 morts. Alors, la Côte d'Ivoire ne s'est pas arrêtée. Voilà. Et puis, il y en a aussi qui sont allés les mêmes nuits s'asseoir devant son bunker pendant que lui, il était enfermé. Ils sont morts. Est-ce que la Côte d'Ivoire s'est arrêtée d'avancer? Voilà, donc, ils peuvent sortir pour se donner la mort. Et on dit live est restreint. Oui. On dit c'est le mot que je prononce. Voilà, donc ils peuvent se retirer pour se faire déjà. Mm-hmm. Ça, c'est leur problème. Voilà, on ne peut pas empêcher quelqu'un de chômer. Personne ne les reconnaîtra en tout cas comme martyr. Voilà, tout comme Gbagbo ne sera jamais martyr parce qu'il ne le mérite pas. Voilà, donc ils se battent les muscles, mais ils vont trouver du répondant devant eux. Comme je l'ai toujours dit, Gbagbo ne comprend que le langage de la force. Voilà, pour lui, sur cette terre, tout s'obtient par la force. Donc quand il sort la force, il faut lui opposer la force. Et il faut montrer qu'on est plus violent que lui. Voilà. Sinon, il ne comprend que ce langage. Voilà. Donc, vous voyez, tout ce qui a été fait pour apaiser la situation pour Gbagbo, c'est une faiblesse. Voilà. Tous ces voyous, tous ces voleurs, tous ces gens qui ont convoyé l'argent de la Côte d'Ivoire pour aller le distribuer à leurs autres Ghanéens et à l'envoyer dans les banques, tous ces bandits au col blanc qui sont rentrés pour eux, c'est une faiblesse. C'est parce que le pouvoir recule. La Côte d'Ivoire pourrait avancer sans eux. Je rappelle que en 97, il y a eu une guerre meurtrière à Brazzaville entre le président Pascal Lissouba, qui était au pouvoir, et Denis Sassou Nguesso,
qui était rentré d'exil et puis, bon, la guerre a repris. Lissouba a perdu la guerre, il est parti en exil, je crois que il n'est plus revenu au Congo jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce que Dieu l'appelle. Le président Ouattara pourrait interdire à Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils allaient faire quoi? C'est ce qu'ils devaient faire. Alors, voilà, donc, pour eux, tout ça, c'est une faiblesse. Et donc, ils ont retrouvé du verbe, ils sont forts. C'est comme ça, ils se sont toujours, se sont toujours comportés. Et il faut leur opposer la force, puisque c'est la force que Gbagbo leur a enseignée. Voilà, pour eux, c'est une faiblesse. Sinon, sous d'autres cieux, franchement, ce monsieur ne mettrait pas les pieds en Côte d'Ivoire. Ou s'il les met, en tout cas, il serait arrêté. Voilà. Mais quand le président fait ça, c'est pour apaiser. Parce qu'on ne peut pas travailler dans un pays où il y a une tension entre les populations à tout moment. Non, ce n'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas comme avoir gouverné. Où à tout moment il y a la tension, où on éteint le feu avec le feu. On peut pas, un pays ne peut pas avancer avec une telle situation. Voilà. Et pour eux, c'est une faiblesse. Donc, puisque le pouvoir a montré qu'il est faible, il faut l'acculer. Il faut reculer. Voilà. Donc, ils veulent utiliser la force. Il faut leur opposer la force, c'est tout. C'est tout. Hein? Il faut leur montrer qu'ils n'ont pas le monopole de la violence. Ils ont peut-être le monopole des injures, mais ils n'ont pas le monopole de la violence. Voilà, ils ont oublié le passé. Non, 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 ça, ce n'est pas leur problème. Mais... Voilà, ils sont prêts à tout pour que le nom de Gbagbo soit inscrit sur la liste. Est-ce que nous, on pourrait faire des décisions? Mais il n'y a pas eu de meeting, il n'y a jamais eu de meeting de l'opposition pendant les 10 ans de Gbagbo. Non, jamais. Il a servi à la Côte d'Ivoire le régime le plus liberticide. Voilà. Toutes les marches de l'opposition ont été dispersées à la Kalachnikov. De 2000 jusqu'à 2011, c'était comme ça. Et la marche la plus meurtrière a été celle de mars-avril 2004. Où les miliciens, les escadrons de la mort ont tué dans Abidjan pendant 2 jours. Plateau déclaré zone rouge. Ce monsieur est un criminel. L'homme le plus brutal de la Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. Et puis il banalise la mort. Oui, ça le dirait. Il banalise la mort des gens. J'ai vu aujourd'hui sur un panel sur lequel il y avait, je crois, Koukoura, où il y a un de ces voyous, de ces enfants mal éduqués, de ces enfants éduqués à haïr, demander à Koukoura de lui donner le nom de celui qui a profané la tombe de la mère du président de la République. Vous voyez comment ils se moquent de leurs victimes. Ça fait partie de la culture criminelle. Meurtrière de Gbagbo Laurent. Voilà, donc là, je vais m'arrêter là. Okay. Pour ne pas... Merci. Ok, merci. Bloco, 5 minutes, c'est parti. Top. Bloco est là. Est-ce que Bloco, il est là? Bloco, il n'est pas là. Bon, on va partir. Prado, c'est parti. Top. Bonsoir, Ladji. Bonsoir, Prado. Bonsoir à tous ceux qui nous prennent en marche. Bonsoir. Ne négligez pas, hein, ceux qui sont en train de dire là, ils sont dans leur sérieux. Hein. C'est comme ça qu'on nous a surpris en 2020. On a dit qu'il n'y aura rien, ils vont rien faire. Pour finir, là, on a vu hein, ce qui s'est passé. Hein. Donc, à la guerre comme à la guerre, on va faire tous les guerres prêts à aller là. S'il n'est pas lancé Modos cette année-là, c'est qu'ils n'ont pas appelé les chiens. Viens lancer Modos cette fois-ci là. Là, on n'en arrivera pas là, Inch'Allah. Alors, là, après mon allocution, j'aimerais que voilà, vous me faites un petit peu le doigt. Inch'Allah.
c'est mon anniversaire et une longévité surtout pour que nous puissions continuer ce noble combat-là. Si tu le veux. Voilà. Alors, Ladji, une fois de plus, bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci pour ton allocution. Et merci une fois de plus de nous montrer à quel point tu es attaché aux valeurs et au respect de nos lois en demandant véritablement au président Alassane Ouattara de se mettre à l'écart. Oui, il fallait que le président Alassane Ouattara puisse se mettre à l'écart de cette affaire parce que une quelconque loi d'amnistie ne doit pas être prise. Oui, pourquoi je dis cela? Juste parce que, et purement et simplement parce que l'ex-président Laurent Gbagbo est inéligible. Et il est condamné par la justice ivoirienne pour un crime économique. Et il devra répondre devant nos juridictions afin qu'il puisse payer de ce crime-là. Oui, plus d'impunité en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux, un État démocratique où la liberté d'expression est véritablement d'actualité. Oui, c'est en cela qu'aujourd'hui, ces gens-là, c'est quoi Justin peut se permettre de lancer des appels à une quelconque violence, pour lancer des appels à des affrontements interethniques. Et on se dit qu'on est patriote et qu'on veut revenir encore aux affaires. Quel pays vous voulez gouverner si vous mettez le feu à la Côte d'Ivoire? Quelle Côte d'Ivoire vous voulez vous gouverner, vu que déjà nous vous y avions déjà vu à l'œuvre? Vous avez été incapable, ne serait-ce que d'apporter le développement aux Ivoiriens. Oui, aujourd'hui, vous vous permettez de vouloir nous donner des leçons de morale en nous mentant, en continuant de manipuler vos partisans. Et vous appelez encore une fois de plus cette masse, oui, cette masse qui est frappée par, voilà, une incapacité de raisonnement, cette masse qui ne se permet même pas de réfléchir et voir dans quoi est-ce que on nous appelle. Oui, on vous appelle à aller vous faire tuer une fois de plus pour un homme qui, dès son retour de la haie, il a répudié, il a tout de suite humilié celle avec qui il avait lutté pendant des années. Sa compagnon de lutte, oui, la femme avec qui il a partagé ses années de gouvernance. Oui, un homme d'une telle incongruité qui vient une fois de plus encore et il se sépare de son ancienne famille politique. Et aujourd'hui, cet homme-là ne parle pas à son fils d'hier. Oui, son fils, qui était l'un des acteurs majeurs, oui, du pouvoir Laurent Gbagbo, c'est lui-là même qui faisait en sorte que le pouvoir Laurent Gbagbo puisse résister jusqu'en 2010. Oui, nous le savons, parce qu'en 2004, c'est ce fils-là qui a appelé les gens à sortir dans les rues, en appelant les gens à s'attaquer aux chars de l'armée française. Aujourd'hui, ce père-là ne parle plus à ce fils-là juste parce que ce père, il est animé d'une rancœur qui ne dit pas son nom. Et c'est un revanchard qui veut une fois de plus revenir au pouvoir pour se venger. Lui, Laurent Gbagbo n'a pas véritablement et il n'a pas de programme de société.
Non, pas du tout. Il n'a pas de programme de société. Donc aujourd'hui, ils veulent appeler les jeunes à descendre dans les rues juste parce qu'ils sont incompétents. Oui, ils sont incompétents. Pourquoi je dis cela? Parce que au PPACI, s'ils sont vraiment de qualité et qu'ils peuvent apporter quelque chose, les Kone Katina qui vocifèrent sur les réseaux sociaux en se joignant aux émérites économistes, mais qu'ils viennent faire preuve de candidature afin qu'on puisse voir ce qu'ils peuvent apporter aux Ivoiriens. Qu'ils arrêtent de se cacher derrière des quelconques combats. Oui, parce que ces combats-là ne pourront pas, voilà, les amener au pouvoir. Non, pas du tout. Les Ivoiriens sont plus dupes. Les Ivoiriens sont responsables. Et les Ivoiriens ont compris que la Côte d'Ivoire, c'est notre propriété commune. Oui, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire qui doit passer au-devant des choses. Il faut arrêter de mentir aux gens parce qu'aujourd'hui, il y a Internet et nous voyons une fois de plus tout ce que vous nous avez, voilà, caché lorsque vous étiez aux affaires. Oui, les réseaux sociaux ont fait sortir beaucoup de choses. Et là, dit aujourd'hui, nous sommes très, très heureux de voir que ceux-là, ce sont des vrais vauriens. Oui, ce sont des vrais vauriens parce que la Constitution, aucunement la Constitution ne demande, voilà, pour être élu président de la République, il faudra appeler les gens à descendre dans les rues. Non, pas du tout. Cela est anticonstitutionnel. Donc, il faut arrêter. Ce n'est pas une façon de faire la politique. Là, dit merci, merci. Et j'appelle les militants et sympathisants du RHDP à le se faire enrôler. Oui, partez vous faire enrôler. C'est, voilà, une étape décisive. Parce que 2025, il faudra qu'on puisse damer le pion. Il faut qu'on puisse damer le dernier pion. Et on va asseoir la suprématie du RHDP et en particulier du président Alassane Ouattara. Oui, le président Alassane Ouattara rentrera parce qu'il est déjà rentré, mais il va rentrer définitivement une fois de plus dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Je réitère mes propos. L'a dit, le président Alassane Ouattara doit rentrer définitivement et en grande pompe, voilà, dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Damer le pion, il faut que Laurent Gbagbo soit cloîtré définitivement politiquement. Parce que ce vaurien-là, il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire lorsqu'il était président. Et ce n'est pas lorsqu'il est devenu Tokro-Tokro là, où il est Djengues à Djengues là côté Klinkan. Ce n'est pas ça. Hein? Voilà. Donc il faut arrêter. Laurent Gbagbo, partez vous asseoir à Mama et donner des conseils à vos petits-enfants. Parce que vous n'aviez pas été sage. Vous n'aviez pas été sage. Voilà, vous n'aviez pas été sage. Et vous revenez une fois de plus de la haie. Vous n'avez pas tiré des leçons de tout ce qui s'est passé. Voilà, cela montre une fois de plus que vous n'êtes pas assagi. À votre âge-là, vous devriez être plus sage que jamais. Voilà, c'est décevant pour nous, petits-enfants, de voir notre pépé se comporter de la sorte. C'est vraiment décevant. C'est décevant. Voilà. Merci, Ladji, et merci à tout le merci, monde. Merci, merci. Daouda en pause. On va prendre l'autre Daouda. Parce que l'autre Daouda en pause. On va prendre Daouda Kama. Bonsoir, Daouda Kama. Daouda Kama, bonsoir. Est-ce qu'il est là? On va aller avec Ahmed. Bonsoir, Ahmed. Ahmed, quoi? Mamadou quoi, pardon. Mamadou quoi? Vous êtes là, Mamadou quoi? Est-ce que Mamadou quoi est là? Ok, Merlin. Bonsoir, Merlin. Bonsoir Ladji. Bonsoir. Voilà. Bon, moi je suis monté juste parce que voilà, la première fois que je suis monté ici sur ce panel. Oui. Je crois bien que toi et le Tomba, vous avez été les deux ce jour-là à m'apaiser un peu. Oh oui. Ce jour-là, j'étais très violent. Bon, j'étais vraiment remonté. Je me souviens très bien. Tu m'as donné des conseils. Ainsi que le grand Tomba m'avait dit, ça ne sert à rien, il faut se calmer, il faut faire ceci. Et je disais même que vous avez été une thérapie pour moi. Bon, bref, qu'est-ce que moi je veux te dire, Ladji? Je vais rejoindre Tomba. Il faut te calmer. Non, je suis calme.
continue de faire ce que tu fais chaque soir, sensibiliser la jeunesse, sensibiliser les Ivoiriens, sensibiliser tous les partisans du RHDP, à aller dans le bon sens. Parce que une chose est sûre et certaine, il n'y a jamais eu de bonne guerre. Il n'y a jamais eu de mauvais aspect. On dit ceci, faisons face à la non-violence pour être les plus forts. Donc, allons tous dans la lignée du président, Alassane Dramane Ouattara, qui est un homme sage, qui est un homme de parole, qui est un homme pacifique. Parce qu'à la base, s'il était violent comme Laurent Gbagbo, parce qu'il faut le dire, moi, dans les années 90, je pouvais dire que j'avais 2 ou 3 ans, si je ne me trompe pas. Hein. 2 ans, je peux dire. Ça nous a été enseigné. Celui qui a ramené la violence, bon, qui a fait naître la violence en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo. Effectivement. Ça, il faut le dire. Et nous avons grandi avec ce mec-là, il est toujours dans la violence. On a quitté le bled, encore, il est dans la violence. Toujours, c'est lui. Allez. Bon, certes, arrivé un moment, moi je peux dire que tu as raison pour aujourd'hui, lancer un mot d'autre, faire face à ces gens-là, parce que arrivé au bout d'un moment, ça commence à bien faire au fait. C'est vrai, on dit de faire face à la non-violence pour être le plus fort, c'est vrai. Mais arrive au bout d'un moment, quand on en a par-dessus la tête, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que on dit là où il y a le choix entre la non-violence et là où il y a le choix entre la lâcheté et la non-violence, il faut choisir la violence dans certains cas de figure. Puisque eux se disent que c'est que par la violence ils peuvent tout faire. Moi, je pense que c'est essayer encore une fois d'aller avec la non-violence vers eux. Maintenant, s'ils disent que ça marche pas, s'ils veulent se montrer violents, c'est qu'ils oublient. Nous sommes encore plus violents qu'eux. Donc, s'ils viennent avec la violence, que nous aussi nous répliquons avec la violence, bah, tout le travail qui a été fait par le président Alassane Dramane Ouattara, j'espère que nous allons tout foutre en l'air. Donc d'un côté, nous continuons sur notre lancée, cultivons notre paix, cultivons la non-violence. On dit quelque part que la tolérance n'est pas une faiblesse. Monsieur Tchomba l'a dit tout à l'heure, et j'ai bien aimé ce qu'il a dit. Du moment que aujourd'hui les autorités en place leur tolèrent, ils se disent quoi? C'est une faiblesse. Mais ils oublient une chose, c'est du lourd qui est en face. Ils ont du costaud en face. Le gouvernement actuel, je vous le dis, c'est du costaud. Nous, on doit leur prouver que c'est dans les urnes. C'est dans les urnes. C'est pas dans la rue, ce n'est pas dans la violence. Moi, vous m'avez beaucoup éduqué sans vous en rendre compte. Que ce soit vous, que ce soit le frère Johnny Pacheco, que ce soit... Souvent, j'écoutais Éclaireur Pro-Vérité. Vous voyez, lui, il est direct, il est carré. Je l'écoute souvent sur Facebook, lui dit ceci. Si c'est avec la violence, on va vous contrecarrer avec la violence. Mais ces gens-là, sachez que c'est les gars qui parlent. Ils ne font que... Ils font du bruit. C'est pas des racailles pour moi. Une vraie racaille ne parle pas. Tu passes à l'acte. Toute personne qui ne fait que du bruit, je suis là. C'est du vent. Voilà. Oh, donc, je ne vais pas aller plus loin que ça. Tout ce que moi je veux, la paix en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a commencé que ça continue. Que la paix. Maintenant, en 2 secondes rapidement, tu sais, le frère Merlin. Oui. Ouais, vas-y. Deux là. Le langage qu'ils attendent là, c'est ça, ils sont en train de leur parler. En 2020, on était tombé d'accord, je n'ai pas lancé de mot d'ordre, puisque le parti n'a pas décidé de lancer de mot d'ordre. Donc nous sommes restés dans la posture de la sensibilisation. Vous savez combien de personnes qui sont tombées? 87 personnes. Au décompte, l'opposition n'a enterré que 14. Et c'est-à-dire que tout le reste est venu voilà, du camp du RHDP, ça je le sais. Et donc, quand Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale, alors, ils veulent encore ramener ce même combat-là. Donc, nous, on ne va pas rester à la maison, les attendre. On ne va pas rester à la maison, des voyous vont venir nous... Non, ça, on ne va pas rester. Grand Feladji, tu penses qu'aujourd'hui, la vidéo que moi j'ai vue, ce mec qui est en train de s'expliquer là,
Tu vois, c'est pour rien, ouais, c'est pour rien qu'il est en train de s'exprimer. Penses-tu qu'il fait du poids? C'est un responsable du parti, hein. Attends, le PPS. À la conférence de presse du secrétaire général. Secrétaire, pardon, exécutif. Et je t'ai dit, ils vont faire sortir les gens. Oui, mais il y a une loi qui a été votée pas contre pour ça. Voilà, le président l'a dit. Lui. Plus de chiens nés dans ce pays, tous ceux qui veulent semer le désordre mourront en face. Il a été clair là-dessus. Donc si nous, aujourd'hui, nous nous sortons pour faire face à ces gens-là, nous allons nous attaquer entre nous, ça va dégénérer à d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Continuons à sensibiliser ces gores qui n'ont rien dans la tête. Leur faire comprendre que c'est un faux combat qu'ils sont en train de mener. Sinon... Non. Sinon, écoutez ce panel, ils vont rien comprendre. C'est des gens qui sont zélés. Ah bah, donc, s'ils veulent, moi je crois bien que c'est... Ce langage-là, pour que chacun soit dans les archives. Donc, ce que je vais te faire comprendre, Nadi, s'ils ne font pas attention, peut-être, je dis bien peut-être, c'est leur leader qui ira avant son jour. Le blanc. Parce que je suis là. Ça rentre dans cette violence. On va donner la parole. Quelque chose. Oui. Oh, ouais, c'est une petite motion. Mm-hmm. Voilà. Alors, c'est pas la population qui met l'ordre. Il y a des forces de l'ordre. Mm-hmm. Voilà. C'est quand les forces de l'ordre sont débordées et vraiment, ce PPACI-là ne peut pas faire déborder les forces de l'ordre. Là, moi, je suis convaincu d'une chose. Babo ne peut pas paralyser ce pays. C'est fini, on ne peut pas mettre en péril ce pays qui détruit le Golfe. Et quelqu'un a ouvert son micro. Le président a dit aux Ivoiriens de ne pas faire du règlement de compte. Et à partir de là, l'ordre a commencé à s'établir jusqu'à ce que aujourd'hui, le pays soit sécurisé et les Ivoiriens vaquent à leurs occupations à tout moment et en tout lieu. Donc on ne peut pas mettre ça en péril. La loi lui sera appliquée et de la façon la plus rigoureuse qui soit. Voilà. Franchement, 2020, auquel tu reviens, c'était pas la même chose quand même. Ça, il faut le dire, c'était une grande coalition. Mais tout est parti dans la sensibilisation. Toute l'opposition, attends, je vais finir. Que regroupait toute l'opposition, dont même les candidats qui étaient acceptés. Alors, c'était plus large que ça. Et aujourd'hui, le PPAC se retrouve seul. Il n'a même plus d'alliés. Puisque le PDC, c'est vraiment de la façon la plus cinglante, c'est de se solidariser de cette bande de voyous. Donc, on les regarde. Ceux-là, il peut pas mettre le désordre dans ce pays, quand même. Quand même, il y a des lois. Et c'est ce que je répète. Ils n'ont pas. Si vous voyez que c'est des. Comment on appelle des seconds, des cinquièmes couteaux qu'ils utilisent, c'est qu'ils ont peur eux-mêmes. Voilà. On confie ce rôle-là à des têtes brûlées comme ce voyou qui parlait, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Celui-là, on va le mettre en prison. Et eux, ils seront, et comment on appelle, c'est pas son problème. Il est déjà allé en prison d'ailleurs. C'est pas celui qui avait parlé de l'ancien, comme tu le connais bien là. Mm-hmm. C'est celui-là, non? Ouais, ouais. Voilà. Il n'a rien à perdre. Voilà, il n'a rien à perdre. Donc, il y a des gens qui sont préparés pour jouer ce rôle. Voilà, donc ce voyou aussi, et je pense que le président de la CEI doit porter plainte contre lui. Parce qu'on ne peut pas accepter que un tel voyou tienne de tels propos à l'encontre d'un homme qui a été élu. Qui a été élu par des membres, comment on appelle, de la CEI, qui est quand même une institution respectable, qui organise des élections en Côte d'Ivoire. C'est une première, c'est une évolution démocratique. On a connu les élections organisées ici sur le PDC.
par le ministre de l'Intérieur, qui avait droit, est-ce que des partis politiques demandaient à Gbagbo s'il a lui-même la liste de, des élections, des électeurs de, le, de 90. Ou même de 95. Est-ce qu'ils ont eu droit, les partis politiques de l'opposition ont eu droit à ce qui se passe aujourd'hui? C'est une évolution démocratique. Mais comme ils sont ultra minoritaires, il faut trouver quelque chose. Il faut trouver un moyen pour arriver au pouvoir autre que celui des élections. Sinon, les listes sous Gbagbo, lui-même, il contestait, il avait dit qu'il y avait beaucoup d'étrangers sur les listes. Eux-mêmes, ils n'ont pas pu prouver. Parce que si tu dis que quelqu'un n'est pas ivoirien et qu'il est sur la liste, c'est à toi de prouver qu'il n'est pas ivoirien. Ils n'ont pas pu. Sinon, franchement, c'est les agissements de ces gens-là. Bon, et ceux qui crient sur les réseaux sociaux, on sait qu'ils sont logés chez vous là-bas en France. Voilà, ils ne peuvent pas tenir de tels propos ici en Côte d'Ivoire. Ils iront en prison. Mais quoi, voilà. Justin le tient là-bas? Non, non, mais attendons de voir la suite, quand même. Quand même, c'est pas ce gouvernement, le gouvernement qui sort dans l'émotion là, c'est pas en tout cas celui-là. Quand la FEC fait ses agissements, aller construire un siège, avoir une salle de torture, les autorités savaient. Mais le moment de frapper là, quand c'est arrivé là, est-ce que les autorités n'ont pas frappé? La maison, le siège qu'ils construisaient, je ne sais à partir de quel plan, sous quelle autorisation, ceci a été détruit. Tapoté. Voilà, donc moi, avec ces gens-là, franchement, ce n'est plus la même coalition quand même. En 2020, c'était plus fort que ça quand même. Voilà. Nous, on a passé 3 jours et 3 nuits à Yamoussoukro. Alors, en tout cas, ce n'est plus la même chose. Gbagbo se retrouve seul, voilà, à haranguer ses militants, à les appeler à la violence. Pendant que les autres demandent à leurs militants d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Voilà, la loi lui sera appliquée et elle sera implacable. Voilà, donc comme l'a dit notre jeune frère, voilà, si les populations se jettent les unes contre les autres, ça va créer d'autres choses. Il n'a pas tort. Voilà, la loi lui sera appliquée. D'accord. Justin ira en prison. Mais que bien le président de la CEU doit porter plainte contre lui. Voilà. Merci. On va donner la parole à Amadou Kouakou. Amadou Kouakou. C'est Kouakou ou bien quoi? Kouakou. C'est la version de Bonoukou là. Non, Prigro. Bonsoir. Bonsoir Laï. Bonsoir Amadou. Vraiment merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Merci. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le résultat est là. Tout ce qui prétend la République vient de faire. Il y a goudron partout. Que ça soit Gbagbo, n'importe quel opposant qui va vouloir saboter ça, ne parle pas. Ça dit quand vous parlez, c'est comme si on a la truie ou les gens. On les regarde. Non, mais il faut quelqu'un pour lancer les mots, pour apprêter les militants. Faut pas non, ils savent, eux-mêmes savent qu'on est prêt. Quand tu parles, c'est comme en guerre. Quand tu parles, tu donnes les munitions, le nombre de munitions qui est dans ta main, l'adversaire se prépare à partir de là. On ne dit rien. Ils savent, ceux-là, ils connaissent. Ils étaient ici, ils étaient au pouvoir, et puis ils ont fui, ils sont partis. Comme ils sont arrivés, il n'y a pas de problème, parce que c'est le même désordre, là, ça va s'installer encore. On les regarde. Si on parle là, ils vont se méfier. Laisse-les, c'est exprès, ils font. Ils sont là, on les regarde. Deux sont encore au Ghana, ils n'ont pas encore rentré. 3-4 personnes qui sont rentrées, qui ont venu nous intimider ici. C'est des choses, on les regarde. Ils savent tout ce que les autorités vont nous dire, ou bien les ministres, ou bien les têtes des RIDP, ils ne peuvent jamais nous dire non, allez-y, les attaquer. Mais s'ils sortent, on va les faire rentrer. On a vu ça ici. C'est des choses comme, et même ça, ils viennent nous provoquer. Que ça soit PDCI ou PPACI, ces élections, on ne va pas empêcher personne. Tout le monde est libre pour aller voter son candidat. Mais celui qui va mettre des ordres dedans parce que Gbagbo n'est pas candidat et la Côte d'Ivoire n'a pas fait, on va rester là. Depuis, nous, on est petit, Gbagbo est rentré en politique, il va rien, on a toujours problème. Si c'est pas étudiant, c'est pour brûler la bise. Du coup, on a vieilli dedans. On ne peut pas continuer comme ça. Hein?
On a fait la guerre, on finit tout, tout, ils rentrent. On dit, bon, réconciliation, il est rentré, il n'y a pas de problème. Comme ils ont vu qu'ils sont rentrés, on n'attaque personne. Donc, il faut venir mettre le même esprit là-bas. Dit, Gbagbo n'est pas là. Gbagbo, j'ai dit à lui. Gbagbo, même quand il dit des choses, il vient et puis il répète. Vous voulez quoi? Donc, si ce n'est pas Gbagbo, il n'y a pas d'autres personnes encore. Donc, si ce n'est pas ça, on va sortir dans la rue. C'est dans ce jeu-là, ils sont avec les enseignants, les professeurs dans des jeux-là. Mais c'est le petit, ça ne va pas prendre. Ça ne peut même pas prendre. Parce qu'on est là, on les regarde. Au jour où on dit, tu prends ta voiture partout, tu s'en vas là. Tu peux fermer tes yeux pour rouler même, tu ne vas pas tomber dans tout. Tes pneus là, ça ne va pas se casser. Tout le monde voit, même dans tous les campements. Il y a goudron, il y a tout. Mais on ne peut pas s'asseoir là. C'est vis-à-vis, c'est pas mot de vente. On voit. On ne peut pas s'asseoir là et puis les individus, on ne sait même pas venir, mais bon, rester en France, c'est vrai. D'autres sont vous là-bas, c'est eux qui parlent. Sinon, ceux qui sont ici là, il est en train de chercher, non, si on parle de lui, il va donner ça. Donc ne parlez pas de lui. Nous, on est là, on veille sur eux. Tous ceux qui sont en train de parler dans nos pays ici, ils savent. Ils savent de quoi on est capable. Quand tu parles trop, tu donnes ta position. Ils ont le courage de gueuler toujours. Ils ont le courage, c'est les gars là. Si tu as écouté, s'il est derrière l'eau, il est derrière la dune et puis il parle, il va t'effrayer, tu ne vas pas traverser l'eau là. Tu les laisses. Quand ils parlent et puis on dit rien là, ils ne vont même pas sortir, ils se bougent. C'est vous, quand ils parlent matin, le soir, ils se disent, oh, c'est là, vrai qu'ils sont. Non, laissez-les, ils savent. On est là, on est regarde. Ils n'ont pas sorti. Ils vont rentrer. Ils n'ont pas sorti, ils vont rentrer. Parce que ce désordre là, ça ne peut plus prendre. On ne va pas empêcher personne pour aller voter. Tous ceux qui vont aller se faire rouler, tu sois ton candidat, il n'y a pas de problème. Mais, c'est pas un niveau qui a été choisi. Donc, il faut qu'on sorte pour mettre fin à Côte d'Ivoire. Écoutez, c'est pour Gbagbo, ce pays-là. Moi, je respecte tous les candidats. Gbagbo, c'est un président, c'est un ancien président. On ne va jamais lui manquer de respect. Mais si on dit, si ce n'est pas Gbagbo, on doit mélanger à venir de notre enfant. Non, on va les trouver là-bas où ils sont. On a vécu ça ici. À l'instant là, personne ne peut faire ça. Tu t'amuses là, tu t'amuses. Nous tous, on était sur, comment on appelle ça, la liste noire ici. On n'arrive pas à dormir à la maison. Mais aujourd'hui, on sait où ils sont, mais on ne parle pas. On a laissé tomber tout ça là. Mais s'il veut mettre un couteau dans les plaies pour dire non, laissez-les, il ne faut pas, on va sortir. Non, hein, on ne va pas attendre l'autorité pour dire sortir. On sait où ils sont. Donc, ils ne parlent pas là, ils sont en train de gueuler pour ne rien. Ils savent. Ils vont laisser la fille Gaïo dans le meeting pour parler, mais ça ne va pas se passer sur le terrain. Ça, c'est ça. Il faut que les autorités même enlèvent ça même dans les têtes pour dire non, vous allez nous donner un mot d'ordre. Nous, on est prêts. C'est eux qui ont fui. On est toujours là. On est prêts. Ils étaient au pouvoir. Ce qu'ils n'ont pas pu faire là, il ne faut même pas qu'ils vont rêver à ça. Voilà. Mais pour dire que non, un gars de PPACI, ils ont mis quoi, un Katina ou bien quel que soit les candidats, on n'a pas peur avec lui. Mais il ne faudrait pas que, si ce n'est pas Gbagbo, Côte d'Ivoire là, on doit même faire ça, c'est non, c'est pas la peine. Ils n'ont pas oublié ça. Ouais. Ça dit que ce message là, c'est pour tous les candidats. Tous les candidats, tous ceux qui vont mettre des ordres dedans là. Nous, on a un qui. Tu as eu, tu as passé. Tu n'as pas passé, tu restes tranquille. Sinon, nous, on arbitre. Et en même temps, force de l'ordre là. On va leur donner un coup de main. On ne va pas les laisser seulement. Force de l'ordre là, nous tous, on sait. Comment le pays là, quand on dit bas là, qui est sur le terrain? On ne va pas les laisser, hein, mon frère. Depuis présent, on va être arrivé. Où nous sommes arrivés? Présent arrivé et dit l'agent travaille. Effectivement, l'agent travaille. On ne prend pas l'argent pour aller voir. Tout ce qu'on a pu réaliser, on est là pour protéger. Nous ne sommes pas là pour les désordres. Hein. Venir, ils vont quitter là-bas, quitter au Ghana pour aller chercher les filles ghanéennes là, venir lancer les paroles guerriers parce qu'ils viennent d'arriver, ils ont aigri tout ce que nous on a mis en place là. Il faut qu'on mette ça, on ne va pas accepter ça. Quand ils sont arrivés, ils ne vont pas payer là. Est-ce que c'est la même chose? Aujourd'hui là, quand on a un discours, hein, les Togolais ou bien les Camerounais, et tous sont fiers pour dire voilà, voilà la Côte d'Ivoire, voilà ça, tout le monde est fier de ça. Et vous voulez venir mettre des ordres là pour dire on est qu'à garder. On ne va pas accepter ça. Ça. On ne va pas accepter ça aujourd'hui, ni demain. Nous sommes prêts. C'est qui veut là? Nous, on n'a pas vu. C'est eux qui ont peur. Ils savent. Chacun sait. Et c'est qu'ils nous écoutent. Beaucoup nous connaissent. Ils connaissent très bien ma voix. Ceux qui connaissent savent. Ceux qui sont dedans là, c'est des conneries. Mais nous, on ne parle pas.
Tu as cité beaucoup de choses, il faut qu'on prépare, il faut laisser, il faut garder nos plans d'attaque. Voilà, en plan de guerre, on ne donne pas tout pour dire que non, nous, la 17, on a ça, l'adversaire va se préparer. Oui, il pense qu'il a Pichelli dans sa main, nous, on se prépare avec Kalachnikov pour les attaques. Quand il déclare Pichelli là, ça nous donne le courage. S'il nous dit qu'on a Kalash, à ce moment-là, nous, on prend les 17 pour les attendre. Donc, on ne parle pas et puis on assise, on les attend, on les regarde. Mais on ne va pas parler avec lui. Ceux-là, c'est les gueux là. Il parle, on va parler. À ce moment, on est sur le même pied d'égalité. On est en train d'investir ici. Hein. Le président dit l'argent travaille. Ça, c'est rentré dans notre tête. Nous tous là, où je ne suis pas là, je ne suis pas là à l'école, mais tout ce que le président est venu l'a mis en pratique. On a pris l'exemple des présidents. Mais aujourd'hui, on est tous des entrepreneurs. Il y a au moins deux écoles à Abidjan ici. Ouais. L'arrivée des présidents, il dit l'argent travaille. Mais l'argent travaille comment? Il faut réfléchir. Ça veut dire qu'il ne faut plus prendre là pour aller boire. Il ne faut pas y avoir des comportements. Il faut arrêter ça. Il faut quitter au Ghana, venir. On a qu'à mettre des ordres dans tout ce que nous, on a pu réaliser. De toute façon, le pays est déjà joli. Nous tous, même là, écoutez, on ne va pas accepter ça. On est prêts. Il ne faut plus parler de ça. Si tu parles de ça, c'est comme si. Il n'y a pas de dormir. Quand je suis tombé, il dit mais écoutez, ça là. Il n'y a qu'à lever ça dans les têtes. Et ça part dans le couloir. Il ne peut pas parler ça au dehors. Ça, c'est dans le couloir. Il sort un peu, il parle et puis il rentre. Pour se faire plaire. Lui, celui-là ne peut pas devenir quelqu'un ici. On ne peut pas gouverner un pays là. La haine, on était là, on n'est qu'à garder ça. Donc, si ce n'est pas vous, on doit mêler la Côte d'Ivoire. Donc, on n'est pas prêt avec lui. Donc, frère, j'étais sûr du courage. Il ne faut plus parler de ça. Il ne faut même pas leur dire, même quand on les suit. Nous, on veille suivre. Chaque militant, on est là. Il y a combien d'ex-combattants? Vous pensez que nous, on va s'asseoir là et puis ils vont venir faire règlement de compte derrière nous? Ce n'est pas le président seul qui va quitter le pays, c'est nous tous. On ne va jamais aussi les laisser. S'il veut faire élection, comment on appelle ça en politique, pour que le pays soit en paix, nous on n'a pas préoccupé. Mais si on a constaté seulement que c'est pour venir faire un règlement de compte, c'est pas question de tu vas enlever le gouvernement et puis les ministres vont fuir seulement. Non, nous tous on est dedans et on est plus nombreux, savent. On va jamais vous laisser. Et les paroles guéris là, quand on attend ça, on dit écoutez, on a mis les anciens régnés là. On va les faire sortir. Et les anciens petits secrets que les parents nous ont donné au village. On se prépare. C'est pas question. On se prépare pas pour cafouiller la Côte d'Ivoire. Mais on se prépare pour ceux qui pensent qu'ils veulent faire un règlement de compte avec nous. Mais quand le gars dit non, il prend ton papa, il vient frapper ton papa, tu sais, le moment où il faisait parler avec ton père là. Tu es venu, tu l'as jeté dans le combat. Il dit non, il vient pour ton père. S'il a frappé le père, il va s'apprendre à qui? Mais on voit que c'est les mêmes paroles, discours guéris là. Donc nous là, on est plus près même que les autorités. Nous on est plus près même parce que nous on sait. On connaît où? On peut aller où? Nous on a dos au mur. Donc s'ils ont s'amusé, ce qu'on n'a pas pu faire avant là, c'est ça qui va venir. Il y a des choses, des fois, quand ils disent ça sur les réseaux sociaux, les gens, ils prennent et puis ils interprètent autre chose. Ils prennent la partie qui les arrange, mais ils n'ont qu'à interpréter comme ils veulent. Mais celui ou celle qui pense qu'il va lancer les paroles guerrières ici pour mélanger, tu mélanges, on est avec toi, on va mourir avec toi. Ouais. C'est pas par contre seulement. Tout le monde, tous les partis politiques sont concernés. Parce qu'on va jamais rester, se croiser les bras et puis vous allez venir mélanger notre avenir comme ça, à chaque fois on est dedans. Et que ça lance les paroles guerriers. Si c'est pas lui là qui est là, nous on sort pas. Si c'est à ce moment là, ça devient quoi? Donc vraiment merci beaucoup et puis bon, du courage. Dis à nos frères qui sont de l'autre côté là-bas, là, s'il vous plaît, qu'il fait passer les messages d'apaisement, des messages qui va vraiment calmer la jeunesse et calmer, rassurer la population ivoirienne. Parce que des fois, quand tu les entends parler même là, on dirait même pas, dis, morceau de bois là, quel que soit le durée, ça va passer, le temps ça va passer dans la vie, puis jamais devenir quasiment. On sait, beaucoup ne sont pas ici, mais ils ont leurs parents ici, ils ont leurs villas ici, il n'y a pas de pays, notre pays c'est la Côte d'Ivoire. Que quand ils parlent des choses là, ils réfléchissent un peu, faut même pas, ils vont trop lancer les menaces, qu'ils mettent en tête que la Côte d'Ivoire est quittée loin. Aujourd'hui, on dit là, si c'est pas président Ouattara, si on vient de sortir dedans là, qui peut remonter l'économie d'Ivoire comme ça et puis arranger le pays comme ça? C'est qui?
Donc c'est une chance pour nous. Donc on ne prie même pas Dieu que ce qui s'est passé là revient encore. Personne. Mais quand on voit que les frères et sœurs ne sont pas encore conscients sur ce problème-là, ils vont venir raconter des choses pour qu'on met fait dans le pays là encore. À ce moment, ça devient quoi? Hein? D'autres même disent non, va prendre Burkina ou bien Niger ou bien Mali pour nous comparer. Moi, je ne comprends pas. Bon, je ne comprends pas. Ils ont quoi en tête? Que vraiment, ils disent des choses. Tu peux être en Europe et puis tes frères sont ici, tes cousins sont ici. C'est ton village, c'est ton pays. Donc, ils n'ont qu'à aller doucement. Parce que ça ne serait rien. Maintenant, ceux qui pensent qu'ils vont laisser derrière les écrans, puis lancer les ultimatums, nous, on est prêts. Nous, on est prêts. Nous, on n'avait pas besoin de calage. On n'aimait pas ça avant. Et puis, on est sortis. Ils savent. Ils étaient beaucoup ici. Et puis, tous ont traversé les frontières. D'autres sont morts là-bas. S'ils sont arrivés, on n'attaque personne. Parce que nous, on les voit en tant que les malheureux, ils nous font pitié. Qu'ils sont arrivés, on les accueille bien, nos frères. Mais on comprend qu'ils ont beaucoup de choses encore dans les cœurs. Ils sont venus trouver l'évolution du pays là, ça les fait mal. Donc cette fois-ci là, on n'est qu'à renverser. Renverser, mais on va pas accepter ça. Jamais on va accepter. Donc merci beaucoup et puis mon bonheur à toi. Merci, 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 merci. Alors on va aller rapidement avec notre frère Bakali. Bakali, pardon. Bonsoir. Bonsoir à Tchamba, bonsoir mon frère. Ouais, continue jusqu'à ce que je reviens. Hein, Bakali. Oui, donne pas. On va faire notre talent. Vas-y, continue. Ce que mon frère l'a dit, doit comprendre, c'est que le président a toujours dit que de lui faire confiance. Et jusqu'à présent, toujours, c'est ce qu'il dit à tout le monde. Mais même les gens du PPAC, ils sont sur la couverture du président de la République. Donc, il ne va pas accepter qu'on se blesse, qu'on se tue entre nous. Mais il a dit même, je crois, une fois à Katula, ou bien à Boaké, qui va régler le problème de l'affaire d'élection par la voie de la Constitution. Nous partons vers ça. La Constitution, c'est quoi? C'est le droit. Donc, ce que Tchamba a dit, parce que c'est là-bas même qu'il faut regarder, si notre frère Koubien comprend bien ce que quoi a dit, il a dit que M. Koubien a été rebelle. Je crois qu'il peut porter plainte pour lui demander n'a qu'à prouver à quel moment il était rebelle. Il a dit beaucoup de choses dans ce qu'il disait, hein. Donc, c'est à lui de porter plainte. Et puis, deuxièmement, le président, on va s'asseoir à les regarder. Au départ, qui savait qu'on allait arrêter Dosso? Dosso a été arrêté après sa sortie, qui partait faire une marche. Et regardons le président seulement. Lui ne défend pas seulement que les gens du RADP, il défend toute la population de la Côte d'Ivoire. Donc, ça lui gouverne, c'est pourquoi aujourd'hui, il a la tête de la Côte d'Ivoire et que tous ceux qui n'étaient pas avec lui aujourd'hui défendent le président de la République. Parce qu'ils ne voient pas en termes des individus qui m'appartiennent, d'autres ne m'appartiennent pas. Il a toujours dit que je suis le président de toute la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens et de tous les citoyens qui vivent sur la terre ivoirienne. Donc, je ne pense pas qu'on va se plaindre. Comme mon frère l'a dit, c'est eux qui donnent leur plan de guerre. Nous sommes là, nous, on regarde. La preuve, pendant tout le temps, ils ont fait 10 ans. Ils ont maltraité tous nos gars qui étaient à Abidjan, qui étaient dans le sud, qui a pris ces bagarres pour dire qu'ils m'avaient aujourd'hui dans mon village. On est resté là. Ça montre, alors qu'en ce moment, on n'avait pas d'âme, hein. On n'avait rien, mais on est resté là. Mais lorsque pour eux, le temps est venu chez eux, ils ont fui, ils sont partis au Ghana. Ça montre qui est garçon, qui n'est pas garçon. Il n'y a pas besoin de parler, on ne fait que les écouter. Parce que quand tu écoutes, il y a un certain Escobar qui dit, non, il va brûler le stade, il va brûler ceci. Ça, c'est la bouche, c'est ce qu'on dit chez nous. Que dit le feu, n'est pas dit que ça brûle ta bouche. Dit feu. Et puis brûler ma bouche, c'est différent. Mais parce que tout ce qu'ils disent, c'est zéro, quoi. Mais il faut écouter quand les gens parlent, où on peut les attraper, où on peut porter plainte, ce qu'il faut regarder. Il a dit que M. Koubien était un rebelle et qu'il est venu, il faut qu'il prouve qu'il est rebelle. Et que la femme qui est très jeune, qui a 500 personnes sur la liste, il faut qu'il vienne prouver. Ce sont des choses qu'on peut porter plainte à partir de là. Et deuxièmement, là, M. Koubien aussi est là-bas en tant que juge. Il n'est pas là-bas en tant qu'autre citoyen. On peut dire où toi, il y a un magistrat. Parce qu'il est en train de l'insulter. Ce n'est pas normal. Tout ça, là, on n'a pas besoin de faire par là pour ça. Et c'est eux qui connaissent le droit, ils savent comment ils vont le faire. Quand Dosso a dit qu'il voulait faire sa marche, personne n'a parlé. À mesure qu'on l'a attrapé, là, il a pu discuter. C'est-à-dire que nous, moi, j'ai fait confiance au président. Et depuis qu'il est venu, depuis 95, 93, où on l'a connu, il a toujours dit faites-moi confiance. Et regardez sur un président, un monsieur,
qui a ridiculisé tous les renards de la politique ivoirienne. Quand tu regardes bien, Gbagbo, tout le monde disait que c'était le plus fort dans la politique. Aujourd'hui, ils me sont déçus du président de Gbagbo. Mais c'est Bédé qui était là depuis la création du PDCI. Il a vécu avec le président Fouboyin. Il a ridiculisé le président Bédé. Jusqu'à l'a enfermé dans sa propre maison. Il a mis Laurent Gbagbo en prison. Mais lui il fait pour lui la rigueur et avec la raison. Il n'est pas dans l'émotion. Ce qu'il voulait dire, il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas dans l'émotion, comme mon frère Amadou a dit, et que nous ne sommes pas prêts. Nous sommes là, nous, on les observe. Ce qu'ils vont faire, on verra. Ils peuvent faire que quelqu'un va venir chez moi, la même période, le laisser partir. Ce n'est pas possible. Même en pleine période des rebelles, les envoyer à quelqu'un, à un ancien gars du PDC, le gars de Kachura, là, paix à son âme, est-ce que les gars sont sortis? Ça veut le provoquer, il a fait ce qu'il pouvait faire. Donc ça dit que nous sommes prêts. Et en ce moment même, on n'était pas prêts jusqu'à aller. Nous savons maintenant quel est leur comportement. Au moins, ils ont commencé à nous tuer en 2000 là. On ne peut pas penser que non, monsieur Laurent Gbagbo pourrait permettre à des gens d'aller soulever des parents, les haches là à la maison pour ils vont les prendre et les tuer carrément. On ne peut pas penser à ça. Qu'est-ce qui a fait venir Guéhi? Parce que Guéhi pensait même plus à qui on pourrait parler, prendre là à la maison, aller le tuer sa famille. Mais aujourd'hui, nous sommes convaincus que ce sont des gens, ils ont la haine, ils peuvent le faire. Donc chacun prend ses dispositions. On n'a pas besoin de faire appel. Nous sommes là, nous, on les regarde, c'est eux qui parlent. Nous, on ne parle pas, nous, on est là, on les regarde. Je me lève le matin, il m'a au travail. S'il y a quelqu'un qui entend parler, qu'il voit que ce n'est pas la peine de discuter avec lui, on ne discute pas avec lui. Ce qui est sûr, c'est que lui dit là, c'est lui qui dit. C'est le fait de dire que non, j'ai dit feu, ça ne va pas brûler ma bouche. Il peut parler. Et puis, c'est comme nous sommes en face de nos femmes. Donc, les femmes ont quoi? Lorsque tu es fâché, quand tu parles là, mais si tu l'as frappé, elle ne peut que parler. Elle ne peut pas te frapper aussi. Donc, faut que tu ne peux pas l'empêcher de parler, tu ne peux pas l'empêcher aussi de te frapper. Mais ça, au moins, on ne peut pas les empêcher de parler. Il faut qu'ils parlent. Parce que c'est ça qui ne peut pas nous frapper. Donc, il faut les laisser parler. Est-ce que vous voulez dire à mon frère, tu as trop combattu, il faut suivre le président et il pense que moi, je fais confiance au président. Et lui, il a dit, faites-moi confiance. Et il a dit, quoi que ce soit à Katula, qu'il va régler le problème par la Constitution. Et je dis, nous sommes dans le droit aujourd'hui. Quand on parle, on ne dit pas que le président l'a écarté. On dit, non, il a eu une affaire avec la justice. C'est eux qui ont regardé le président et ils ont fabriqué un code électoral par rapport à ça. Mais on n'a pas regardé quelqu'un. Au contraire, on a dit que voilà, il y a eu Amissi. Amissi, il a expliqué. Mais quoi dit non, que non, le monsieur ne connaît pas ce qu'il appelle à l'Amissi. Pourtant, Oubaye qui est dans l'Assemblée nationale, c'est un gars de droit. Quand il a posé la question, quand le monsieur a répondu, quelle a été sa réponse? C'est-à-dire qu'il n'a plus d'arguments. Il avait dit à M. Coubière que non, le président a bénéficié d'une amnistie avec les autres. Le gars a fait sortir le document. Il a lu le texte qu'on lui a donné. Pourquoi Oubaye Oulaye n'a pas répondu? Non, ce sont des gens qui veulent se montrer parce qu'ils bon, ne représentent rien dans leur propre parti. Il y a des discutants. Regarde-le sur le panel. Il y a qui s'insultent à tout moment. C'est là même où vous devez savoir que même le PPA, ce n'est pas la peine. Les femmes insultent les garçons insultent les femmes. Je ne sais pas que c'est. Alors que quand ils regardent là, quel activiste cyber qui insulte le président de la République jusqu'à rentrer dans sa famille? Il n'y en a pas. C'est ça, ça montre le sérieux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Mais pense bien que le frère, tu as raison, que tu interpelles les gens. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, mais il ne faut pas de rejeter la main que ton patron lui-même là, il est plus serein que toi. Il est très très serein. Je sais que tu as fait un combat et tu faut continuer de faire le combat, d'interpeller. Que voilà ce qu'ils ont dit. C'est ce que nous on a besoin. Parce que moi, nous n'étions pas au courant qu'il avait fait un discours aujourd'hui. Mais moi, quand ça passe comme ça. C'est ça, donc moi, quand tu fais ça, c'est ce que nous souhaitons même. Il faut nous montrer chaque fois et ça va interpeller les gens. Parce que c'est pas tout le monde qui suit les activités. Alors, on s'occupe même pas de nous. Nous, c'est là où on travaille. Les gens qui ne travaillent pas. Ils sont dans les maisons là-bas, là, en train de jouer dame le soir. Mais non, on ne s'occupe pas d'eux, on va au travail. Cette année-là, il va passer, les gens m'ont dit ça. 2020, je me suis calmé. Ils ne pourront rien faire. Moi, je ne réserve pas de la. Mais ce qui est sûr, moi, c'est qu'aucun gars du Nord, aucun gars du Sud ne s'est déplacé d'Abidjan pour aller au village parce que Gbagbo tue les gens. Ça montre que nous sommes prêts à tout moment. Ils ont tout fait pendant 10 ans. Chacun est resté dans son quartier. C'est vrai qu'on ne parlait pas, mais on n'a pas pu enlever quelqu'un. Mais dès que nous, on a pris le rang Gbagbo,
Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, les deux, ils ont fui par le Ghana. Il fallait rester au quartier. Ça montre que les faiblesses. Et ça, il dit, c'est qui crie. Donc, moi, vraiment, je voulais te remercier. Okay, et qu'il ne faut pas t'inquiéter. Moi, il pense bien que tu es sur ta voie. C'est normal que tu te fasses de temps en temps. C'est rare qu'il t'ait vu aujourd'hui fâché. Mais au moins, il faut aller tout souvent. Ça va aller. On te suit. Il faut nous donner seulement les informations. Nous tous, on va suivre les activités. Voilà, parce que Abidjan est grand. Et puis, Côte d'Ivoire, on est tellement préoccupé par les activités. On ne suit pas toutes les activités. En tout cas, je vous félicite très, très bien. Merci. Et ce que tu en vas à dire est vrai. Il faut qu'on fasse confiance au président. Et c'est ce qu'il nous dit toujours. Faites-moi confiance. La seule fois que le président fait à la salle, on va te rendre toujours. Je voulais m'arrêter là. Je voulais, te remercier. Merci beaucoup. Maintenant, on va donner la parole à Karim. Moi, je dis, je reste sur ma position. Les modérés peuvent dire, voilà, il ne faut pas te presser, il ne faut pas faire ceci. Ça, c'est votre position. Mais moi, là, je ne vais plus avoir encore sur ma conscience la mort d'un militant ou un Ivoirien lambda qui n'a rien à voir avec ça. Ceux-là, c'est des fous. En 2020, rappelez-vous, qui a plus sensibilisé ici que moi? On a trop sensibilisé en 2020. On a tellement, jusqu'à le parti même, a lancé un mot d'ordre, a demandé aux militants de ne pas sortir. Mais résultat, 85 morts. Et dans les 87 morts, l'opposition n'a enterré que 14 personnes. Donc imaginez-vous le reste des gens qui sont tombés. Cette fois-ci, là, il dit on ne même pas laissé le temps. Même. Moi, mais j'ai déjà appelé mes gars. Pauvre Dieu, apprêtez-vous. Ouassakara, apprêtez-vous. Dès que vous les voyez mobilisés, ils sont au nombre de 20 ou 15 personnes. On descend dans les rues. C'est la police qui est venue nous séparer. Ils n'ont plus la gendarmerie, ils n'ont plus la police derrière eux. À partir du moment où M. Gervais Thiédé, qui est secrétaire exécutif du RHA et du PPSI, dit qu'il va aller voir la base, ils vont se mobiliser dans les jours à venir pour mener un combat. Et que quoi Justin vient répéter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas Baboubin qui va lancer le mot d'ordre. Et il est dit matin, midi et soir. Quand vous dormez, mettez dans vos têtes que vous avez un dernier combat. Yeye Gbagbo a été injustement enlevé sur la liste électorale. Et il est dit, passez le message dans les cours, dans les communes. Et moi, quand m'était pourquoi? Moi, quand m'était pourquoi? J'ai parlé. Donc vous, vous êtes à Djamé, à Bobo, Yopougon, partout où vous trouvez. Mettez dans vos têtes que du jour au lendemain, les gens là peuvent sortir. Tous ceux qui... Moi, je suis d'accord avec ceux qui viennent sensibiliser, hein. Mais ceux-là, c'est des fous. Un matin, vous allez vous lever, vous serez surpris. Hein? Je vous le dis. Hein? Si vous pensez qu'ils ne vont pas agir, regardez, écrivez, enregistrez cela. Ils vont sortir. Et si vous dormez, ils vont saccager tous vos trucs. C'est des barbares, c'est des fous. Ils n'entendent rien. Ils ont dit même sur leur panel qu'ils sont prêts à mourir. Gbagbo, et ça, là, ça fait partie de leur combat. Et Gbagbo même l'a dit dans son discours. Il a dit que vous voulez quoi? Vous voulez être bien? Vous voulez libérer? Vous voulez ressembler à ces pays occidentaux, États-Unis, mais ils ont mené des combats. Vous pensez qu'il y a un moyen à soi, nous, en partant en prison, c'est quoi? À partir du moment où le chef me dit ça, vous ne comprenez pas, et on va s'asseoir les regarder, ils passent toujours leur temps à sensibiliser, à manipuler leurs militants, et moi, je m'éteins. Moi, je veux que vous vous apprêtez. Demain, ne venez pas me dire que je ne vous ai pas dit, hein. Merci beaucoup, Karim, tu as la parole. Ah bon, mobilisez-vous, apprêtez-vous. Hein. Dès qu'on dit paix net, on est ensemble. Ils n'ont plus la mairie. Ah, Karim, tu es là? Est-ce que Karim est là? Oh, j'ai eu. Il y a SAS que son réseau bug, là. SAS, il faut prendre la parole parce que ton réseau bug, là. Vas-y, vite. Avant de descendre. Ouais, je suis là. Tu m'entends? Oui, je t'entends, SAS. Tu m'entends là? Oui, très bien, ça. Ouais, là, dis vraiment merci. Ouais, merci, vraiment merci. Je te coupe depuis longtemps. Longtemps, vraiment, vraiment depuis longtemps. Et puis, je ne peux que t'encourager dans ce que tu mènes comme combat. Et puis, je te prête le mot, franchement, pour te dire. C'est vrai ce que le vieux père Tchomba dit, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais l'heure n'est plus à ce moment-là. Quand on voit des gens qui passent sur des panels pour dire que même s'ils sont deux, même s'ils sont trois,
Ils sont prêts à se sacrifier. On est prêt à des terroristes. On est prêt à des gens qui peuvent aller poser des bombes partout. Donc, faut faire attention. Donc, faut être prêt, comme tu l'as dit. Moi, je suis d'accord avec toi, hein, parce que c'est des gens qui sont tellement endoctrinés au point que, aujourd'hui, pour eux, c'est lui ou rien. Au point que, nous aussi, c'est vrai, aujourd'hui, on s'est dit, la Côte d'Ivoire, elle est sécurisée, il y a ceci, il y a cela, c'est bon, c'est tout, c'est tout. Mais attends, faut faire attention. Quand quelqu'un passe sur un panel qui dit, même si je suis seul, je vais aller le faire, ça veut dire qu'il y a de quoi faire attention. Ça peut dire que je te soutiens. C'est vrai, ceux qui sont passés, qui ont dit non, c'est vrai, faudrait qu'on aille mollo. Mais c'est vrai, quand il fallait aller mollo, ils ne sont pas allés mollo. Ils ne sont pas allés de main morte. Ah oui. Du coup, aujourd'hui, tout est rétabli. Et comme ils voient que c'est bien, comme l'ancien chef de village n'aime pas que le village soit bien, ils veulent tout gâter. Mais on est prêt, on les attend. Même sans armes. Eux, ils parlent de machettes, de couteaux et tout. Nous, sans armes, on les attend. On les attend qu'ils viennent. Et ça, moi, je te le dis franchement, je suis prêt et je suis tout eu avec toi du fait que tu dises que, attends, faudrait que, faut galvaniser aussi les gens. Des gens qui s'asseyent là et on sait pas d'où ils viennent et qui disent ceci, que cela, qui sont prêts à détruire des gens même qui se disent ivoiriens, qui sont prêts à détruire leur pays pour une personne. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Moi, j'arrive pas à comprendre ce raisonnement-là, quoi. Mais pour ces gens-là aussi, il faudrait que nous aussi, on soit prêts. C'est tout. Hein. C'est des terroristes. C'est jamais la garde, hein. C'est des terroristes. Non, c'est des terroristes. Un gars qui dit un truc comme ça, qui dit non, on va brûler même les stades, on va brûler ceci, on va faire ceci. Mais c'est des terroristes. C'est des gens qu'il faut arrêter. On les laisse pas parler comme ça. En tout cas, c'est des sauvages. C'est des sauvages. Moi, je te dis, franchement, j'ai perdu, je sais pas, près de 15 ans de ma vie. Moi, j'ai perdu près de 15 ans de ma vie sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Après la défection du président Henri Bonabédier et tout, mais j'ai perdu près de 15 ans de ma vie. Mais attends, aujourd'hui, je suis en train de battre mes enfants, des impies. Bon, je termine, je ne veux pas terminer ce mot-là. Mais des gens comme ça qui viennent s'asseoir là pour dire que non, ben attends, faudrait qu'on brûle ce pays. Moi, mes enfants, quand ils vont brûler ce pays-là, mes enfants, ils deviennent quoi? Attends, moi, je n'ai pas de calache, j'ai mon calibre 12 là, ça est sur ma manche là. J'ai là. La première personne qui franchit ma porte, qui rentre dans mon quartier, je l'allume. Tranquille, quoi. Parce que je ne veux même pas que ça arrive. Moi, aujourd'hui, je pense qu'à mes enfants. Je ne pense pas à Laurent Gbagbo. Je ne pense pas au président, père, son âme, Henri Bonabédier. Je ne pense pas au président Alassane Ouattara. Je pense à la Côte d'Ivoire. Je pense à nos progénitures. Ils deviennent quoi? Vous, des malveillants, je sais même pas de quel nom les tenir. Vous venez pour une seule personne, une seule tête qui n'a même pas 10 mois à vivre. Vous voulez brûler un pays? Bah attendez, bah, allez, fais chier. Je suis désolé d'employer ces mots-là. Franchement, je suis révolté de ma race pour vous dire. Pour te dire, un frère,
La raison de t'énerver souvent, c'est important. Faut se lâcher. Parce que ce que tu as tenu en commentaire tout à l'heure, je t'ai écouté. Tu as tout raison, tu as tout vrai. Ah oui, mais c'est arrêtons. Non, arrêtons. La Côte d'Ivoire, c'est pas pour le président Alassane, c'est pas pour l'ex-président. De toutes les façons, l'ex-président Henri Kounabedji, il est décédé. Le premier président, il est décédé. Gay, ils l'ont tué. Mais la Côte d'Ivoire, elle vit encore. Nous, en tant qu'Ivoiriens, on fait quoi pour que la Côte d'Ivoire aille de l'avant? Venir jeter du pétrole, de l'essence, là, et puis allumer une bichette d'allumette pour que la Côte d'Ivoire flambe. Et puis, on retient quoi de ça? De nos enfants? Ils deviennent quoi? Attendons. Attendons. On se dit, dans la vie, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, faut aimer la maison dans laquelle tu vis. Tu peux avoir des divergences avec ton père, mais tant que vous êtes dans la même maison, le simple fait de prendre une pichette d'allumette et d'allumer pour dire que non, je brûle la maison parce que j'aime pas mon père, mais il y a tes frères et sœurs qui sont là, il y a tes enfants qui sont là. Non, parce que tu n'aimes pas ton père, que tu tues toute la famille, tu brûles la maison. T'es qui toi? T'es le plus con des cons. Bon, c'est un peu sur ça que je voulais intervenir. Et puis, ouais. Je te dis franchement merci, je te coupe tous les soirs, je te coupe pratiquement tous les jours. C'est la première fois que j'interviens sur ton panel, mais franchement, ta réaction de ce soir m'a fait monter pour te dire que je te soutiens. Peut-être que c'est vrai, le Tchimoba, il me connaît un peu, il m'écoute un peu. Je suis un peu passif dans ce que je dis, mais ce soir-là, je suis vraiment révolté. Ah oui, bien sûr, mon voilà. Donc, je te dis merci, et puis j'écoute, je suis là. Il y a une... voilà. S'il y a des gens qui veulent monter, tu peux me faire descendre, tu fais monter des gens. Je suis là. J'ai une motion, là. J'ai une motion, tu me permets. Mm-hmm. Voilà, parce qu'il y a, il est presque l'heure. Bon, je vais aller vite. Bon, j'étais en train de rire parce que, quand même, pour vendre sa guerre, bon, on doit sensibiliser tout Abidjan d'abord et puis les villes de l'intérieur. J'ai comme l'impression que c'est quoi Justin Sul qui est sorti à Yopougon. Donc, on va continuer de suivre les événements. Qui ira vendre? Non, non, attends, qui ira vendre la guerre qu'il prépare dans les autres villes? Bagou, c'est un lieu édenté. Bagou ne peut pas arrêter ce pays-là de fonctionner. Même un jour d'Abidjan, il ne peut pas, il peut pas, il peut pas immobiliser Abidjan un jour. On peut parler sur ça, Raji. Je te donne la stratégie. Bagou, on se connaît dans ce pays. Faut laisser ça. Non. Passé. Non. Je te dis. Donc, il va vendre la guerre à Yopougon d'abord. Après, il va aller à Trècheville, Marcory, à Bobo. À Niama pour dire aux gens de se préparer pour aller mourir et pardon, pour aller déjà, faut pas TikTok va couper. Parce que Babo n'est pas sur la liste. Et puis bon, Kone Katina va aller mobiliser Kachula pour lui dire non, de se mobiliser, de s'apprêter. Ils n'ont pas donné de date. Donc on attend qu'ils donnent une date au moins. Oui, mais c'est pourquoi nous voilà, du déclenchement, la date soit donc de la violence qu'ils veulent nous imposer à cause de M. Gbagbo. Franchement, je suis pressé d'entendre de savoir leur programme. Non. Faut pas donner de la valeur à ces gens-là. Ils ont voulu sortir à Yopougon quand l'héritier de Gbagbo a été battu aux élections. Est-ce qu'ils sont sortis? Oh, faut pas. Bon, d'accord, là, non, je vais descendre. Tu peux faire monter d'autres personnes. Okay. Je vais me coucher. Là, merci beaucoup. Tati est là. Merci. Merci. Tati est là. Alors, Douamé, allons-y rapidement.
il y a quelqu'un qui dit que je parle de vote, tu vois. Faut arrêter de me suivre. Moi, là, je ne vais jamais me taire. Ceux là, ils sont nommés, on peut bien assez. Ils ont le droit de mobiliser les militants, les dire, non, qu'à s'appeler. Je dirais en bas ici, hein. Moi, je dirais en bas ici. Bonsoir, bonsoir, Lagé, salam, oui, salam à toi. Comme c'est sa première fois d'intervenir, on va lui donner la parole, puis qu'il apprend tout ça. Oui, vas-y. Bonsoir, Doua. Bonsoir, ouais, bonsoir, Lagé. Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup. Mm-hmm. C'est ce qu'on attendait aujourd'hui de toi. Ouassakara, Paul Baudé, moi j'habite à Paul Baudé. Mm-hmm. C'est un jeune de Ouassakara qui m'a appelé, il m'a dit, voilà Lagé, il faut écouter Lagé, va sur le TikTok, tu écoutes Lagé. J'ai lancé le message à tout le monde. Voilà aujourd'hui, notre leader vient de donner. Tu es aussi notre leader, ne pense pas que... Tu as écouté, hein? Tu as écouté mon frère, tu as écouté. Nous sommes à ici, moi j'habite à Paul Baudé. Tu as écouté. Depuis que tu as lancé le mot, tout le monde a dit voilà. On est prêt ici. Tu sais que ce n'est pas fait à dessein, à jamais. Quand on a, moi je vends à Oblak, mais j'habite à Paul Baudé. Ce n'est pas fait à dessein. Quand on a libéré les devantures des magasins à Djamé, c'est pas fait à dessert. Partout, les commerces là, on a libéré devant. C'est pour voir devant qui arrive. C'est qui tout. Arrive. Et on est prêt. On ne peut pas tout dire, l'a dit. Mais ce que tu viens de dire aujourd'hui, tu as mobilisé encore tout le monde. Tu as encore mobilisé parce que sur tout le réseau, personne ne voulait parler de ça. Depuis quoi je sais en parler, on attendait. C'est Jackis à Ouassakara qui dit attendez, je connais mon élément, il va lancer quelque chose. Effectivement, tu as lancé. Il nous a appelé pour dire, je vous ai dit quoi. Donc, on s'est parti. Tu as lancé, on est prêt. Après, on est prêt. On est prêt. Pas ta parole. Hein. Tu sais que des obéissances civiles, là, les victimes, là, ils n'ont pas tous été indivisibles. Ils te disent ça. Oui. Moi, les gars sont dans mon inbox matin, midi, soir, mais ils n'ont pas fait live dessus. À propos de ici même, ici. Les gens sont morts, les gens sont, ils ont eu les biens, que personne n'a été indemnisé. Donc ça ne peut plus nous arriver. Mmh. Merci Ladji, merci, que Dieu te bénisse. Mmh. Voilà, que Dieu te bénisse, on est prêt. Pauvreté, Ouassaka, tout le monde, à tout moment. Depuis matin même, on a lancé, il y a des jeunes de taxi, les chauffeurs de taxi là, on leur a dit, quand vous allez au café, dites à vos gars, laissez, c'est quoi, ça a commencé. Voilà, donc, ça a commencé. Hein. Voilà, les enfants sont prêts, hein. On a lancé même tous les petits. À Thomas, quand je vais arriver à Sipourez, je vais leur dire ça. Je dis, tiens, apprêtez-vous. Ce qui va commencer là, ça ne va pas surprendre quelqu'un. Tous les taxis là, vous êtes dedans, mettez quelque chose dans vos taxis. Voilà. Mettez un peu quelque chose à côté de du fauteuil. Parce que ceux-là, ce qu'ils ont commencé là, on va terminer à eux. Merci beaucoup, Lali. C'était pour te féliciter. Merci, mon frère. Apprêtez-vous. Voilà. On est prêts, mon frère. Vous sensibiliser là. Hein? Au moins, ils m'ont fait ça. Ils n'ont qu'à garder leur sensibilité. Ils n'ont qu'à garder leur sensibilité. Bon, ils peuvent. Voilà, ils n'ont qu'à garder pour eux. Nous, on est prêts. C'est qu'elle suit. Là, il ne va pas parler. Où. Mais là-bas, il non, il ne faut pas ceci, il ne faut pas faire ça. En ce moment, là, c'est déjà trop tard. On a déjà dit à Dieu là. On a déjà dit à Dieu là. S'il a mis le nom de Babou, c'est nous-mêmes, on va l'enlever lui-même. C'est nous-mêmes, on va s'élever quoi. Je te jure, on va s'élever. On va s'élever contre lui. Mais comme le vieux, il ne va pas le faire. Il connaît la mentalité de ces militants. Il ne va pas le faire. Je voulais aussi remercier Tchomba. Parce que chaque fois, quand je suis en bas, j'attends. Il est vraiment avec toi. C'est un faux bon. De toute façon, on ne doit pas. C'est, même s'il boit Tchapalo, on doit toujours le féliciter. Mais pour lui dire qu'il n'a qu'à laisser ce qu'on a. Ce qu'il va. Il n'a qu'à laisser. On va se regarder un peu. On va se mesurer un peu. Restez à côté un peu. Ouassakara, si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu viens demain. Oui, viens, on va t'aider. Moi, je suis de Touba. On va te donner un peu de Tchapalo, tu vas boire. Mais ce qu'elle dit là, ce qu'elle dit, elle dit. Là, il a lancé le mot, tout le monde est prêt. Même aujourd'hui, quand je venais, demain matin encore, je vais me promener au marché. Allez-y dans tous les grains. Tout le monde. Dans les taxis, partout. Ta vidéo là, on a dit à tout le monde, quand on prend, on dit, tiens, il faut te connecter sur la vie. Connais-toi. Tu vas les voir, ils sont connectés tous. Pour t'écouter, le dernier mois est déjà passé. C'est ce qu'on voulait entendre. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et passe une bonne nuit. Et à demain. Merci, mon frère. Allons vite. On manque le live, c'est court. 5 minutes. Moi, c'était pour faire passer mon message.
ceux qui viendront sensibiliser vont sensibiliser. C'est voici. Hassan, vas-y. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Hassan. Tout à l'heure, je dis la nuit la plus parfaitement d'accord avec toi. Et ceux qui montent pour dire que pour parler de la paix et de la réconciliation et tout là, je vous dis, ils ont oublié que les élections passées là, on était en face de notre père Bédié, père à son âme. Bédié, tout le monde le connaît, il est politique. C'est Soro qui voulait les ménager les élections passées, mais il n'est pas pu. Cette 2025, là, nous sommes en face de Koudou Laurent Gbagbo. Koudou Laurent Gbagbo, même un enfant qui a 7 ans, quand tu lui dis Koudou Laurent Gbagbo, il sait déjà ce que ça veut dire. C'est les 100 en même temps, ils voient. Ceux-là, ils ne sont pas là pour aller aux élections, ils ne sont pas là pour installer même ces vieux-là. Ils savent très bien que le vieux-là ne peut jamais, au grand jamais, venir à la tête de ces pouvoirs-là encore, c'est fini. Mais le but de rechercher, c'est quoi? Même si je vous ai toujours dit ici, même si c'est une seule personne, ceux-là, ils vont vous les tuer pour jeter le discrédit sur notre père. Ceux-là, ils sont même capables d'aller même attaquer dans un village d'un corps, des villages de gore, pour jeter seulement des discrédits. Leurs propres partisans et jeter le discrédit sur le pouvoir en place. Ils sont capables. Leurs propres soutiens qui sont avec eux, là, ils ne les aiment pas. Ils sont prêts même de les tuer. Et puis jeter le discrédit sur le pouvoir en place, soit disant que c'est Ouattara qui allait tuer les gens là-bas. Ceux-là, ils sont prêts pour tout. Mais quand on dit que ça va se ménager, on dit qu'on a peur et autres là. Non, ce n'est pas parce qu'on a peur. Ceux-là, ils ne peuvent rien faire, ils ne pourront rien faire. Nous, on sait très bien que le pays est géré. Mais nous, on oublie quelque chose. Le pouvoir ne peut pas faire tout à 100%. Ça, c'est impossible. Et c'est impossible dans la vie. Voilà, le pouvoir ne peut pas garantir nos vies à 100%. Nous-mêmes, on doit faire un petit pas. On doit aider aussi le gouvernement. C'est pas pour révolter les gens, aller attaquer les gens, non. Mais ce que tu as dit est très important. Voilà, soyons prêts à prêter nous. Voilà. Soyons prêts à prêter nous. S'ils sortent, on va sortir avec eux. Parce qu'on ne va pas rester là tout le temps. Ils vont venir brûler nos magasins. Ils vont venir tuer nos frères. Vous avez oublié quelque chose aussi. Aujourd'hui, nos mamans qui sont à la maison, que tu les payes, que tu veux payer téléphone pour eux, que tu payes Bescla pour eux, ils disent que non, on ne veut pas s'en aller. On met téléphone, ils ne peuvent pas les faire. Ils sont tous sur les nets aujourd'hui. Nos mamans aujourd'hui, sachant qu'ils sont tous malades. Des ICR, des diabètes, des malades cardiaques en fait. Donc aujourd'hui, ils sont tous sur les nets. Les messieurs de ces gens-là mettent mal au point nos mamans et nos papas, nos vieux qui sont à la maison. Et là, ça fait un mois en arrière. Nous, on a des vieilles à la maison. On était à la maison, la porte. La grande porte était fermée. Les enfants étaient en train de jouer leur football au dehors. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, c'est gâté entre eux là-bas. Ils ont commencé à faire parler, tout le monde a commencé à crier. Les deux vieilles sont tombées pour. Tellement qu'ils ont eu peur en même temps. Parce qu'ils sont sur les nets, ils attendent tous les jours. On va gâter, ça va chauffer, ça va se donner. C'est dans leur tête, ils dorment avec ça. Quand nous, on sort même pour aller au dehors, tant que tu ne rentres pas là, les mamans ne dorment pas. Même si c'est minuit, 2 heures, les mamans sont là, à la porte pour t'attendre. Ils t'appellent, tu es où, il faut rentrer. Est-ce que tu vois? Donc, les messages de ces gens-là, ça peut tuer même nos mamans, nos papas même, à la maison, sans que ça se mélange même. Donc, c'est très important qu'on doit sensibiliser nos parents. Soyons prêts, on regarde ça, prêter à 100% et les attendre. Faut pas on va s'élever aller attaquer quelqu'un, non. Mais et qu'ils soient, on va sortir avec eux. De tout. C'est ça qui est le problème en fait. De tout. Parce que ceux-là, ils sont pas là pour la paix, ils sont pas là pour installer Gbagbo, ils sont pas là pour faire politique. C'est ça seulement, ils disent, on va installer Gbagbo. On veut que Gbagbo n'ait qu'à être sur la liste. Tout ça là, c'est les douze qui disent. Mais en réalité là, non. Ceux-là, leur but de rechercher là, pour que notre papa n'ait qu'à sortir avec un mauvais nom en fait, il n'est qu'à partir avec le sang. Oh pourtant le vieux là, sans un ennemi quoi, jamais ça va arriver. Si son pouvoir en tout cas, si jamais ça va arriver. Donc là, que ça soit en face des étrangers, de les gens de l'ISO, il faut qu'on communique même direction que maintenant. S'il parle de la guerre, on parle de la guerre. S'il dit qu'on va venir vous attaquer, nous aussi on doit dire on va vous attaquer aussi. En tout cas, il faut qu'on regarde si même direction maintenant que là maintenant ils vont arrêter. Nos parents nous ont toujours dit les péter. Quand ils crient sur toi, il faut crier sur lui, il laisse pour lui. Mais que si ils crient sur toi et que toi tu ne cries pas là, il va vouloir te gifler même. Donc c'est comme ça. Donc là pour terminer, moi je vais te dire merci. Si vous merci. Voyez que moi j'aime beaucoup Dinkele,
C'est à cause de ça, moi j'aime Dinkiné. C'est vrai, les gens disent que Dinkiné est violent, il est violent, oui, il est violent, je suis d'accord. Mais Dinkiné, si on avait 5 personnes, si la toi comme Dinkiné, là, ça, depuis ceux-là, ils avaient déjà arrêté au moins de communiquer au moins les petits si la toi. Mais Dinkiné, quand tu dis tu vas aller attaquer ses parents, il va te dire il va aller attaquer tes parents aussi. Et il va te faire croire que lui, il va faire plus pur que toi. Et sa façon de parler, tu sens en lui qu'il est vraiment prêt aussi d'aller au front. Donc c'est ce genre de personnes là que moi en tout cas que nous on a besoin ici. Donc en tout cas je te dis merci beaucoup Ladji et merci encore et j'arrête là. Merci beaucoup. Alors chers militants et militantes, le gouvernement était bel et bien informé de la désobéissance civile puisque le service de renseignement et tout avait déjà informé le gouvernement. Et bonsoir ma grande sœur Delphine. Et la série sur le gâteau, lorsque Henri Conan Bédié, sa candidature a été validée et qu'il a fait un tweet pour féliciter le Conseil constitutionnel et les Guillaume Soro l'ont menacé, le gouvernement savait à quoi il faut s'en tenir. Mais il ne pensait pas que ce qu'il préparait allait atteindre près de 80 morts. Donc c'est pour vous dire quoi? Est-ce que le parti au pouvoir a-t-il lancé un mot d'ordre pour dire à ses militants ou ces militants ont lancé des mots d'ordre, s'ils sortent, on a dit non, la police va gérer, c'est vrai que la police a géré, mais vous avez perdu vos biens, vous avez perdu vos magasins, vos voitures, vos taxis ont été brûlés. Certains même ont eu la mort, des gens qui ont été capables d'aller couper l'autoroute et ils ont mis des bois, les cas sont tombés dedans, des gens sont morts. Des gens qui ont arrêté des cas de corps de certains ministres, les enlever, casser les têtes, les gars, de la manière la plus sauvage, les gens qui ont pu faire ça. Et vous allez vous asseoir pour dire oui, le gouvernement au courant, si le gouvernement, ils n'ont qu'à l'arrêter, les discours qu'ils font là, ils n'ont qu'à l'arrêter. Eux, ils essayent de tout faire tout. C'est vrai que le gouvernement garantit ta sécurité, mais pas à 100%. C'est à toi-même de garantir ta sécurité. Qui prépare, j'ai dit, pour mieux se défendre là, il faut préparer la guerre. Est-ce que c'est ce langage là ils entendent? À la guerre comme à la guerre. Œil pour œil, dent pour dent. Cette fois-ci là, c'est ce que moi j'ai dit et j'assume mes propos. Voilà, j'ai dit, je l'assume. Il est temps pour vous maintenant, vous qui voulez brûler la Côte d'Ivoire, il est temps. Il est temps pour vous, vous qui dites que sans Laurent Gbagbo il n'y aura pas d'élection, commencez dès maintenant. Donc, à partir d'aujourd'hui. Si tu dors, quel que soit le communiqué du gouvernement, mets-toi en tête que cela peut sortir à tout moment. À partir d'aujourd'hui, si tu sors ou bien tu es quelque part, mets-toi dans ta tête que du jour au lendemain, ça peut déclencher. Puisque le secrétaire exécutif du PPACI a dit qu'ils allaient mener des campagnes de sensibilisation. Ils vont revoir toutes les bases et les mobiliser pour se mettre en ordre de bataille pour 2025. Et suite à cela, vous avez entendu, Picasso, il est venu. Et mieux, ils ont fait sortir les chiens. Donc, ils sont en train de dire à leurs militants qu'ils n'ont qu'à mettre dans leur tête. Que tous les jours, ils n'ont qu'à mettre dans leur tête, ils ont un dernier combat à mener. Ils n'ont qu'à passer de coup en coup, porte à porte, quartier en quartier, ils n'ont qu'à s'apprêter. Et il a dit que ce n'est pas Damanak Picasso qui viendra vous dire c'est aujourd'hui. Ce n'est pas Gbagbo qui vous dira que c'est aujourd'hui, mais ça peut venir à tout moment. Et juste toi, ça vient te trouver que toi, t'es pas prêt. Tu fais comment? C'est maintenant toi, tu as été mobilisé pour t'apprêter. Non, il faut être prêt. Soyez prêt. La seule chose qui ne doit pas vous faire peur aujourd'hui, c'est-à-dire, ils n'ont plus la police, ils n'ont plus la gendarmerie, ils n'ont plus l'armée avec eux. Voilà. Donc, on va se régler. Pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale, il faut qu'il passe sur nos corps. Damanak Picasso, vous le voyez dehors à ses militants, vous êtes déjà prêts. Quoi, Justin, vous les voyez dans la rue avec les militants, vous êtes déjà prêts. On est tous dans la rue. C'est comme ça va se passer. Ça serait désormais œil pour œil, dent pour dent. C'est moi, j'ai dit ça. Vous sortez, on sort. Vous saccagez nos trucs, on sait comment on va régler ça. On va pas laisser quelqu'un venir brûler nos magasins, brûler nos taxis, brûler nos maisons, brûler nos biens. Ça, c'est fini. Si vous êtes fâché, allez brûler les bus.
Voilà. Ça, c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde. Là, comme ça, là. On va cotiser, nous tous, notre argent pour payer les bus, là. C'est tout, hein. Ne dormez plus, hein. À partir de l'instant où, quoi, Justin a lancé ce message, les gars sont en train de se mobiliser petit à petit. Ils sont en train de s'apprêter et ils savent pas quand est-ce que ça va déclencher. Donc, vous ne vous laissez pas surprendre. Ne vous laissez jamais surprendre. C'est des barbares, c'est des sauvages. Ils n'entendent que ça. Ce qu'ils entendent, c'est le langage de la violence qu'ils entendent. Vous les avez vus en 1990, comment ils ont envoyé la violence dans la politique ivoirienne. Lorsque Gbagbo a perdu face à Oufouet, tout le monde a vu. En 2000, tout le monde a vu quand ce monsieur a participé aux élections présidentielles entre lui et Guéï en 2000. Vous avez vu ce qui s'est passé. En 2010 encore, le même Gbagbo. En 2015, il n'était pas là, il n'y a pas eu de problème. En 2020, dès que Guillaume Soro a décidé de les rejoindre, vous avez vu que tout est revenu à zéro. Comme on le dit chez nous, premier Gaou n'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyata. Jamais de la vie, vous allez laisser. Donc, à partir d'aujourd'hui, le message doit être passé dans tous les grains. Dans les taxis, dans les bakas, dans tous les lieux de rassemblement. Que le PPAC est en train de mobiliser ses militants qui disent que du jour au lendemain, ils vont descendre. Et ça n'a qu'à venir trouver que vous aussi, vous êtes prêts. Ça ne doit pas vous surprendre. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour conclure. Merci beaucoup. On en sent. Salam alaikum. Cool, bien cool. Merci beaucoup.